Ce que j'allais dire. <laughs> Bienvenue pour la 110 e partie de Cops. Aujourd'hui, nos flics vont chercher un, un maire, enfin une mairesse. Voilà. Je vais euh, faire oui. le résumé de l'épisode précédent. Euh. Pom, 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 poursuite, euh, indice. Un vrai ou... résumé sinon. Hein un vrai résumé ah, ouais. bon. euh, Vrai résumé, en gros, Sentry veut nous mettre des bâtons dans les roues et on ne sait toujours pas pourquoi, mais voilà, parce qu'en il... gros, il... on nous empêche d'avoir les mandats, mais bon, vu qu'on avait un bon contact quand même, ça nous a bien aidé. Euh, ensuite, on a été à la maison, ils étaient déjà là, mais on les a envoyés bouler parce qu okay, je, que c'était je... prioritaire. Alors, important quand tu fais un résumé, quand même, c'est un contexte. Ouais. Oh ben. oui, Je mais veux donner des, des faits. Précédents. Oui, non, mais... Euh, en, en gros, oui. vous êtes en train d'enquêter sur un quadruple meurtre. Euh, fait. Oui. Et euh, ce quadruple meurtre implique une corde qui s'appelle Sentry et qui vous met des bâtons dans les roues. que c'est un peu son directeur général de la branche fornique est mort. Des poutres, hein, c'est pas des bâtons. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. <laughs> et euh, la semaine dernière, ils ont carrément essayé de vous faire sortir de la route. Oui aussi. Au passage. Euh, ouais, pour récupérer poten potentiellement euh, euh, des... quelque chose sur la perquisition que vous avez menée sortir de la route généralement ça n'implique pas de tirer sur les gens <laughs> là ils l'ont fait voilà ah oui ils vous s'assurer assurer que vous sortiez de la route qu'on n'y retourne pas surtout oui tout de suite bon voilà et à la fin de le dernier épisode euh, on vous a convoqué d'urgence euh, parce que euh, la mère euh, de Los Angeles a été en ouais. et on vous a demandé de cesser euh, de l'enquête pour tout le service d'ailleurs du COPS, hein, c'est toutes les enquêtes non prioritaires pour se coller à ça. Youhou la mer Pour trouver la mer où elle est passée et lui ah. sauver les miches. Oui, qui sur les suffit d'aller se poser sur Pacific Palisade, tu la vois. Non, c'est l'océan. <laughs> ça marche Ouais, ma joueur. Donc, euh, bah, on reprend là. Euh. Est-ce que je vous refais le, le texte que je vous ai lu euh, par rapport euh, justement à euh, l'effet sur l'enlèvement de, de la mer euh, Bah, c'était le, le pitch, c'était le dernier truc du, de l'épisode d'avant. Hein. Ouais, mais c'est pour vous surtout. Hein, ouais, là, les besoins. Histoire le de remettre l'ambiance, tout ça. Ouais, j'en étais renué. Alors. Donc. Pas de la mort. Donc, je vous refais le, 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 le speech. La folle d'ingue de Christine Lane a été kidnappée. Elle a profité du spectacle de dégénérés qu'on avait interdit pour fausser compagnie aux policiers chargés de sa sécurité. C'est la douzième fois depuis son élection. Mais cette fois, c'est sérieux. Il y a dix minutes, des journalistes de la chaîne California News, qui eux la suivent sans problème, ont appelé. Ils se trouvaient avec la mère dans Duarte quand des membres d'un de, du, Loa Gang ont fondu sur tout ce petit monde embarquant... Miss Lane, la journaliste Joanne Curie et le fils de Miss Curie, qui profitait de ses vacances pour l'accompagner. Nous avons les images de l'enlèvement. Vous avez ordre de cesser toutes vos enquêtes en cours, sauf indication spécifique que je donnerai à la fin, et retrouver Miss Lane en vie. Si euh, elle venait y passer avec ce type de grand, euh, si elle venait y passer avec ce type de grand, on peut, peut s'attendre à tout. Ce serait une putain de catastrophe pour l'épidé et pour le cop en particulier secouez-vous oui parce que les, les, une partie des gens qui sont chargés de sa sécurité sont des gens du COPS en fait hein. mais il y a eu des morts chez les flics alors j'ai pas entendu il y a deux choses techniquement est-ce qu'il y a eu des morts chez les flics vu qu'elle a faussé compagnie à des flics non il n'y a pas une mort chez des flics elle a faussé compagnie à, des, au, à, son, à son service de sécurité puis après c'est fait enlever en fait hmm. Mais du coup, comme elle aime pas, euh, elle, a, elle a coupé euh, tous les. Toutes les ressources euh, des, des services de police, euh, si on la laisse mourir, euh, peut-être que le maire d'après il sera cool. Il Et sentira <laughs> un peu en danger pour sa vie Ouais, alors. <laughs> Sauf que vos ordres c'est quand même de la retrouver. Hein <laughs> ouais, mais ça c'est... ça c'est... voilà. Ah, attends, si elle nous donne pas les moyens de l'empêcher de se faire, euh, dans, dans tuer, tous les cas, euh, sa faute, hein. dans tous les cas, le, le, le lieutenant vous dit que bah, toutes les équipes, euh, alors vous pouvez collaborer ou non. Euh, il sait que la plupart des cops ont tendance à, à, à bosser euh, par équipe de 2, 4, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, par contre, donc il, en, il veut envoyer la, la vidéo de, de l'enlèvement à tout le monde. Hein. Donc vous l'avez dans votre, sur votre okay. ordinateur, euh, dans, dans l'Open Space, vous avez la vidéo de l'enlèvement. Et okay, bon, on la regarde. Alors, la cassette de l'enlèvement. <laughs> alors, si je peux me permettre, en fait, on nous a dit de la retrouver. Mais dans quel état Ça n'a pas été précisé. En vie. Merde. Sauf enfin, dans un, que, que, dans que, un que, état je... suffisamment développé pour qu'elle puisse signer en augmentant je... les, créd... les crédits. Vous avez cesser toute enquête en cours, sauf indication spécifique que je donnerai à la fin, et de retrouver Miss Lane en vie. Ah ouais, c'est marqué. Ah, oh, zut alors voilà. Voilà. Euh, donc, euh, la cassette. L'enlèvement a eu lieu il y a une heure. Il est une heure de l'après-midi, donc dans les alentours de... Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la cassette Bah c'est déjà, vous allez me faire un jet de perception, difficulté 3. Voilà. Si bah, euh, vous voyez des trucs particuliers, sinon je vais décrire juste l'enlèvement, mais si vous avez les éléments ou pas. Alors... Ouais, non. On peut pas mettre l'instinct flic avec Off. Oh, ouais, euh un je point crois... euh je... non je crois pas qu'il y reste de point d'ancienneté euh, par rapport à... On, on s'est reposé par rapport à la veille Par rapport bah au... à la course poursuite Bah non. Euh, par contre Attends je vais mettre la feuille de cette fois de Guillermo quand même. La semaine dernière c'était un peu la galère mais là je... pas de souci. Hop euh, Quelqu'un le fait pour Guillermo Il a 4 en perception Ouais. Et, et il a toujours son poids d'ancienneté son poids ah, d'adrénaline. Voilà. Bon, oh, bah voilà. Ok. Like. Alors, euh, plusieurs choses à noter. Des détails intéressants. Donc, l'action se déroule en pleine rue dans Duarte devant le péristyle. Je n'ai aucune idée de ce qu'est le péristyle à, à titre personnel. Alors, six hommes portant des maquillages argentés et des petits morceaux de lame accrochés à leur Bermuda et en, euh, leur Marcel font irruption, menacent la foule avec des revolvers et des machettes, et emportent ensuite Lane et le fils de la, et le fils de la journaliste qui s'est précipité vers eux en hurlant euh, en hurlant de laisser le petit et ils l'ont embarqué. D'accord. Est-ce que son prénom c'est Loïs euh, Qui est. Pourquoi Loïs Lane Non, c'est Christine ouais. Toujours. Hein. Ah. Je sais pas, sinon on aurait peut-être pu appeler Superman, tu vois. Ouais, bah, Lui, je, tu en même temps, c'était Loïs Lane, t'aurais pas eu besoin de faire l'enquête, c'était déjà bouclé quoi. Est-ce que tu connais voilà. quelqu'un qui s'appelle euh, Martha Parce que sinon il te pète la gueule Superman, tu sais. T'aurais été euh, Lex Luthor, tu vois, le méchant, le coupable, mais bon. Ouais, mais non. <laughs> Et euh, du coup. Euh. euh oui, alors qu'est-ce qu'il. A... Je pas en écouter. Euh... Il y a le gamin qui a, qu a, qu a été kidnappé aussi avec. Bah, en gros, ils ont, ils ont kidnappé la mère. Le gamin, il euh, y a un gamin qui était avec eux qui a essayé d'empêcher ça. Et il s'est fait embarquer euh, avec sa, 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 sa maman. Et les, les ravisseurs, euh, ils ont l'air euh, de danser la salsa de... Non, ils, comme je te dis, euh, ils sont venus avec des guns. Euh, C'est ce que je disais. Hein, ils sont venus avec des guns, des... des euh... Euh, tac tac tac, gun, et surtout ils ont uh, des maquillages argentés et des petits morceaux de lame accrochés à leur Bermuda et leur Marcel. Clairement, ils, ont, ils doivent faire partie de, du même gang, quoi. Ouais, mais du coup, euh, ils sont latinos, black, euh, asiatiques. On... Du art, on... haïtien. Ouais, d'accord. Ouais, donc, du coup, euh... si, ils peuvent il peut, il peut peut-être danser la salsa quand même. Hein. Ouais, mais là, je pense pas que c'était Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, ok. On, on, on ouais Duarte euh, avec C'était quoi le nom de, de du groupuscule qui, euh, qui vend le vaudou? Vous l'avez ça ah, non? Oui. C'est des crisps. Enfin t'en as plein, t'en as c'est surtout qui c'est qui le produisait je pense non? Oui. Ouais c'est ça. Ouais. ouais parce que est-ce que est, ça pourrait pas être les mêmes? Ah chier. Ouais, faut que j'aille voir dans le, dans le truc, ouais, là, putain. Allez, on... Allez. Attaque sur le scénario. Et du côté de Wedge pense qu'ils sont en train de chercher Euh... Pardon. Désolé, j'étais pas... Euh, ouais. Euh, je crois que c'est les Azizian du HeartCrips, hein, vous... ouais. ah, oui, pour chercher, euh, chercher où est-ce qu'ils sont. C'est pas ça, c'est en fait. Il regardait si ça pouvait pas être des fois le gang euh, qui qu est, qu est sur du art que vous avez déjà euh, vous enquêtez, vous avez déjà une enquête dessus. Mmh. Euh... Maintenant, euh, clairement, euh, Après, ils je... sont pas aux couleurs des crispes, hein, les mecs. Euh, ouais. Voilà, euh, mais, je, vrai, mais, mais sinon, je pense qu'il faut aller sur les lieux où, où la caméra ou la vidéo nous, nous mène. entre guillemets Moi, je pense ça. Hein. Je propose. Elle a été. Ouais, mais Ah, euh, fais chier, putain. T'as pas eu de demande de rançon Non, pas de demande de rançon pour l'instant, ça fait qu'une heure. Pour l'instant, pas de demande de rançon, pas euh, d'annonce publique non plus. Mm -hmm. euh, sa... sa fille, elle, fait... elle a pas une puce de la clinique machin qui nous permettrait de la rendre <laughs> derrière. Non, ça serait pas mal, mais non, ils ont. Non, non. Oh non, tu es enlevé depuis très longtemps. Ouais, enfin, tu ne vas peut-être pas t'attaquer à la fille du maire tous les jours. Pas la fille du maire, c'est la fille de la journaliste qui accompagnait le maire. Ah ouais, bon. Le fils, c'est pas la fille. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Il le... n'y euh... a pas moyen de repérer euh, quoi que ce soit chez la, la journaliste, justement. Elle n'a pas du matos, une caméra, un truc. Euh... Ah, en fait, le truc, c'est que de ce que vous voyez, en fait, le, la caméra, c'était bah, le mec qui filmait et euh, bah, lui, euh, lui, il a filmé ce qui s'est passé, mais il n'a pas été embarqué avec la journaliste. La journaliste s'appelle ouais. Johan Curie, je rappelle. Et vu que son, ouais. son, son, son gamin n'a pas de nom, ça va être Kevin Curie. Voilà. Curie avec un Y. un poulet, quoi. Alors, bon, bah moi comme je dis, euh, le mieux que j'ai à faire c'est me en... qu'on se mette en route sur le machin, et puis, ouais. Moi j'attends que tout le monde soit ok avec ça. Oui, oui, enfin, on euh... On sait ce qu'elle faisait là Elle, elle était... a, bah, un bah, spectacle. Alors, elle, assi... elle a assisté à un spectacle, et pendant le spectacle, elle a faussé compagnie à son, euh, son équipe de sécu. Voilà. Pour le reste, pas plus. Euh, moi je vais faire une demande pour qu'on ait des relevés téléphoniques, trucs comme ça. Peut-être que quelqu'un l'a contacté. Ok. Tu sais, genre une menace par téléphone ou un truc comme ça quoi. Alors je euh, qu on, on te demande, pense, tu veux... Attends, ouais. attends, tu... Les tu... relevés téléphoniques tu vas pouvoir avoir, tu pourras pas avoir les conversations hein, quoi qu'il arrive. Non, je suis d'accord, mais euh... Mais on peut se renseigner déjà sur les numéros de téléphone et les gens qui sont derrière. Enfin, voir bon, s'il y a eu ouais. des appels déjà dans l'heure la... dans qui a précédé par exemple. Et euh, voir si, dans ces appels, il euh, y a des contacts... Euh... Genre, un téléphone sur qui t'as aucun nom qui est rattaché, ça fait un peu jetable, tu vois Alors, de base, tu, tu pars sur ça. On ouais. te dit déjà que bah, le, la mairesse a trois lignes. Et, euh... et bon, bah on te file les relevés. Euh, par contre, t'as une note de, du, du service de sécurité qui pense qu'elle a aussi des portables qu'elle a pas déclarés. Putain, si... S'ils sont censés la protéger, ils pourraient au moins s'assurer qu'elle soit pas une menace pour elle-même, quoi. T'as douze fois qu'elle s'est barrée, hein. Ouais, c'est pas fou. <laughs> c'est le fait qu'elle qu fait pas confiance à, 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 à la sécurité du, du LAPD, hein. Après, si elle arrêtait de couper les fonds du LAPD, peut-être qu'elle aurait moins de méfiance envers son service de sécurité, tu vois. Exactement ce que me plus à dire, mais... Mais, euh... <laughs> Moi, Clairement, quand même... ça non, donne... non, Je te non. fais pas de jet euh, Shuba mais ça donnera rien. Okay. C'est une bonne idée mais là pour le coup ça donnera rien euh, sur le truc. Ah attends, moi j'essaie d'observer quand même sur la comment, sur la sur la vidéo si on arrive à voir le véhicule, quel type de véhicule et compagnie. Alors euh, bah, c'est un van. Ouais. Et euh, en fait, tu, tu supposes que c'est un van au bruit du moteur, en fait. C'est ce c'est pas toi, tu, tu, tu dis ça par rapport à ta, ta, tes compétences en mécanique et celles de Tlon en fait. Hein. Ok. c'est Il y avait des témoins. Euh... Euh, bah, il y avait le il le caméraman. A priori, et les autres, y, y, les quelques personnes qui avaient là, ils se sont tous barrés en courant, en fait, quand ils ont vu les gars débarquer. Et quelques... Bah oui, ça serait peut-être pas con d'aller voir au moins le, le caméraman et pour lui demander s'il a noté une plaque, en fait. Bah ouais. Alors, bah, vous y allez, vous faites quoi Dites-moi euh, où vous allez en premier. Ouais, ouais, bah on, va, on, va, on, va, on va aller sur les lieux du. Ok, donc euh, d'abord sur les lieux du, euh, de l'enlèvement. Bah, c'est simple, Je... vous arrivez là-bas, il y a de, bah, tout, il y a comment s'appelle les, les rubans de police, il y a des voitures de flics un peu partout. Il euh, y a déjà. Allez, euh de cops qui sont sur place et des gens de la crime euh, du saad etc qui sont tous en train de marcher sur la zone de la, la scène et qui sont en train d'interroger les témoins les machins qui euh, enfin, les gens euh, qui, des gens qui euh, ont l'air euh, plutôt de vouloir pas parler ou euh, pas vouloir leur parler hein. là, et là on a du art ouais vous êtes à... ah, il ya si bien on... sûr une escouade du swat qui est là euh, pour protéger tout ce monde là donc si on fait du bruit ça va attirer les zombies euh... Ah, ça dépend des moments où, quand il y a des crises, des fois il n'y a pas de crise, ça, ça dépend des arrivages, tu sais. D'accord. Faut vraiment qu'on mette fin à cette invasion de zombies. Oui. Bah, peut-être Faut... que. Euh, faudrait tenter, peut-être que si tu Prends un bébé nouveau-né, peut-être qu'il les zombie mis toutes sa vie le machin. <laughs> oh, T'as <putain. rire> des idées bizarres hein, ce soir. <laughs> Est-ce qu'on peut parcourir du heart avec un van, avec des lames un peu partout, et des armes euh, partout Histoire de ouais, mettre fin aux je... zombies je, 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 juste par, euh, par interrogation, je prends les. Je tire une photo aussi de la caméra qu'on a de l'enregistrement qu'on a eu et je l'envoie mes contacts. Alors à qui et euh, une photo de quoi exactement t'envoies que... bah, En fait, de, 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 fin, de, de la tenue d'un des gangsters en fait avec okay. les lames apparentes etc. Voir si ça dit quelque qu chose à quelqu'un. Euh, Alors bah, bah... je l'envoie au. au, au... Au mec Alors, tu... Qui est, euh, qui est, euh... Attends, je vais les afficher mes contacts parce que. Ouais, je pense parce que de mémoire, moi, je, je me souviens plus de qui a quel genre de connaissances. Tu euh, si... veux m'ouvrir ton ta feuille euh, Ben bah, moi, je, je demanderais bien à Ronnie Anderson, qui est un mafieux des Crips. Je demanderais bien à Little Brother, si il a peut-être une petite idée. Et euh, et après, il y a, il y en a un autre aussi là, c'est le. Il s'appelle bah le mec qui nous aide sur le, 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 le euh, sur les zombies là justement euh, là, <coughs> le vaudou <coughs> voilà si ça lui parle parce que Lucas euh, il a arrêté plus ou moins de servir de d'indicateur oh, euh, il, euh... a... il Pour toujours mais euh, ouais il avait envie de d'arrêter ouais, je... je peux lui mettre un petit coup de pression genre euh... vas-y lâche euh, alors, attends, sans, sans attends, forcément attends. Leur demander... Euh, tu, tu envoies euh, euh, juste un MMS, entre guillemets, euh, pour leur dire, euh, voilà, est-ce que tu connais euh, ce gang, ça Ouais, ouais, c'est l'idée, ouais. ouais. bah écoute, tu vas recevoir assez rapidement la réponse, en fait. Ah, c'est non Ah, j'ai, 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 il est connu, pour bon, le coup, le gang en question. Que J'essaie d'ouvrir la bonne page pour avoir la ah, voilà. c'est l'école des lacs de rasoir. Non. <laughs> c'est l'école au couteau de cuisine. <laughs> euh, c'est le Loagand d'où Vous pouvez que je le marque Ouais. Faites un petit tour dans la base de données de, du LAPD pour voir si vous trouvez quelque chose. Ouais. ouais. Un petit coup de quand même éducation euh, informatique. Faculté 2. Est-ce qu'on peut mettre... Euh, et bureaucratie à la place. Euh, si tu bah, veux. En fait j'ai 4 succès points. parce que j'ai mis 6 mais en fait c'est 4 et du coup... Moi euh... bah, j'en rajoute 5. <laughs> Toujours là, Wedge ouais. euh, Oui. Euh, bah, C'est simple, hein. vous trouvez en effet pas mal d'informations sur le Loa Gang Dougou. Euh, C'est en fait le gang le plus important de Duart. Euh, on suppose à peu près 15 000 membres, euh, répartis entre plusieurs euh, sorciers, euh, c'est-à-dire chef, et euh, répartis un peu partout dans Duart. Bon. Okay, pas, ça... euh, pas de super grand chef connu. Euh, en gros, c'est le, le genre de gang où tu dis Ouais, je fais partie de ce gang-là, tu mets les couleurs, et euh, t'as juste un, un petit chef au-dessus de toi mmh. qui euh, fait partie de le, du gros truc, quoi. Est-ce qu'ils ont un secteur spécifique de duarte où ils sont répandus 15 000, c'est surtout Duhart. Moi je dis, ils ouais. ont tout appris par Jean Moulin, en fait. Hein. C'est des terroristes en, en cellule. Euh, par contre, vous avez d'autres informations qui peuvent être intéressantes à savoir. Euh, que majoritairement, euh, le... bah, ils ne sont pas très kidnapping. Hein. C'est plus euh, vol, euh, extorsion, etc. Mais le kidnapping ne fait pas partie du, euh, on va dire, du, euh, de, leur de, euh, de leur truc, à une exception près. Ils kidnappent quand même des témoins de Jéhovah. Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Voilà. Après, euh, hobby. Euh, en SMS, tes, tes contacts, euh, je, ouais, on va dire les trois, te disent qu'ils peuvent, qu qu peuvent avoir un peu plus d'informations sur euh, sur ces gangs là si ça t'intéresse, mais euh, qu'il va falloir euh, qu va falloir venir et aligner l'argent. Hein, oui, bah, alors euh, peut-être pas sur les trois, hein, faut pas déconner non plus, mais. Euh... Je te dis juste que euh, ils n'auront pas peut-être toutes les mêmes informations, mais euh, voilà. Oui, bah clairement, je dis oui. oui. Nous, on cherche euh, un groupe qui serait capable de faire du kidnapping et qui en aurait fait un récemment. Bah, de toute façon, on va, on va fa en fait, le truc c'est qu'ils te disent qu'ils veulent pas le plus de détails et que ça sera sur place hein, les trucs. Hein. Comme toujours, en fait, c'est, un contact et te, tu le payes en fait au contact pour avoir les infos. Euh... Bah, je pourrais payer après avoir les infos. Ouais. Non, non, parce que c'est marqué que tu dois prendre 30 minutes par indique pour le trouver, lui parler, etc. C'est pour faire passer du temps. Ah oui. Bah, C'est quoi Je vais prendre ma moto et puis je vais y aller tout seul, hein, que euh, comme ça les autres ils peuvent faire des trucs. <laughs> bah, Est-ce que vous avez d'autres idées Est-ce que vous avez aussi des indices peut-être à aller voir mm. euh... Non, moi je suis en train de réfléchir. Ils ont. Alors, en dehors de Témoin de Jéhovah où là ça relève de la légitime offense, euh... ils font jamais de kidnapping. Non. Pas trop, en fait, ils ne sont pas portés sur le kidnapping et, et encore moins aussi sur les, les trucs politiques, hein, majoritairement. Leur truc, c'est quoi C'est la drogue, tu disais tout à l'heure. Non. non. Bah du coup, moi je m'enseigne sur c'est quoi leur, leur deal, en fait. C'est bah, okay. un peu tout, alors. Il va y, a, il y a avoir de la vente de drogue, il va y a avoir surtout du vol, de l'extorsion, du cambriolage, du vol avec un, un armé, etc. Bon, ouais, il doit y avoir aussi un peu de prostitution, de toute façon. Est-ce ouais, que la hein. mère elle a accès à... À des comptes particuliers de la mairie Bah euh, officiellement non Il <laughs> a pas euh... de compte particulier Non mais genre tu kidnappes la mer et puis euh, tu braques euh, tout l'argent de sécu euh, de la mairie de Los Angeles euh, qui traîne sur un compte et qui est accessible uniquement par euh, euh, empreinte rétinienne de, de la mer tu vois Bah vous êtes pas au courant si ça existe Bah hein. ouais, je vous demande... J'ai envie de dire euh... le MJ non plus <rire> <rire> <laughs> ah bah c'est jamais ouais. tu vois ça pourrait ouais, être... Oui. Parce que s'ils font dans le vol, euh, peut-être qu'ils ont besoin d'elle pour voler quelque chose. Tu... Pas fou. Non. Pas fou du tout. Mais d'ailleurs elle, elle est riche elle Elle est pas riche, personnellement. La mairesse Euh... Ouais. J'ai pas son patrimoine, mais bon, elle doit vivre bien, mais elle doit pas être... Euh... Bon, Je pense pas que ça soit une, euh, ça soit, euh, une riche, hein. Du moins euh, par rapport à d'autres personnes dans Los Angeles, ou euh, par exemple, euh, l'ancien. Le, le, euh, euh, comment il euh, s'appelle Hein McConroy Ouais, McConnery. Ouais. Ah bah lui, c'est sûr que de toute façon, il euh, est, est la pote par tout le monde, tu m'étonnes qu'il soit riche lui. Non, mais de toute façon. Euh, je sais pas, faites des choses, hein, euh... Mm, euh... Bah du coup moi j'ai enquêté sur la journaliste en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire tu vas chez elle, tu fais quoi Tu regardes qui c'est son euh... pédigré Bah déjà pour commencer son pédigré, pour qui elle bosse, si elle est indépendante ou si elle est liée à un journal Bah comme c'était dit juste avant, euh, parce que ça fait partie des infos que j'ai données, euh, elle bosse pour... Euh, elle, est, elle est pas indépendante, elle travaille pour la chaîne California News. Euh, elle a une carte de journaliste, euh, enfin euh, elle fait partie des, des journalistes les plus cotés de la chaîne. Euh, bah, sa vie est publique, euh, c'est une personnalité publique, quoi, en fait. Bah, du coup, euh, moi, je vais voir avec euh, son. Euh, je vais dire son réalisateur. Façon enfin, euh, responsable euh, de publication, je sais pas quoi, enfin le nom, je me rappelle pas. T'appelles, euh, chef de la rédaction. Oh, son chef de la rédaction, c'est ça. Euh... T'appelles, ouais, je te déplace. Je vais, vais l'appeler pour savoir euh, s'il si peut me parler par téléphone et sinon je me déplace évidemment. Ouais. Alors c'est simple, t'appelles donc California News, tu lui demandes ouais. le chef de la rédaction, on te dit que. Euh... Alors tu te présentes en tant que flic et on te dit que t'es au moins le 15ème personne qui appelle et qu'il euh... qu a décidé de ne plus répondre en fait parce qu'il a déjà donné des infos à 15 personnes à chaque fois. Et ces 15 personnes, elles sont. Quel est le service parce... ah, Elle te dit, qu'il avoir du COPS, SAD, euh, criminel, euh, anti-gang, euh, SWAT. Euh, c'est plus, hein, plein d'acronymes. Et mmh. elle te dit que là, pendant qu'on ouais. en train de parler, il y a encore 4 appels en absence qui... qui viennent tous, a priori, du central du LAPD. Ok. Bon, ben, on va laisser tomber cette piste-là, parce que yeah. tous les mmh. autres collègues sont la même. Bah, Par du une... principe que quelle que soit l'action que tu vas faire, tu as des collègues qui sont en train de. qui, qui enquêtent sur la même chose. Donc yeah. euh, et comme ils ont pas pour l'instant rien n'est centralisé, euh, c est, c est, tu, tu, vous allez vous marcher sur les pieds. Voilà. Euh, bah du coup euh, moi je vais centraliser les trucs pour qu'on ait les infos en fait. Et que tout le monde ait les mêmes infos. C'est-à-dire comment tu de vas t'y prendre. Bah, je... c'est une bonne question. Je pense que je vais utiliser mon, mon côté bureaucratique pour essayer de, de... de faire un... un gros tableau récupératif géant pour centraliser toutes les infos que tout le monde a au même. central. Bah, je pense que, ouais, comme ça, on a toutes les infos en direct et euh, on évite de perdre du temps à chercher des infos que d'autres ont aussi, en fait. Euh, ouais, mais en fait, euh, bon, tu vas au central pour l'instant avec cette, cette bah, moi, que les autres me disent c'est complètement stupide hein, mais euh, moi ça de... c'est mais... pas, pas stupide mais tu vas te heurter à, à la garde bah, c'est pas c'est pas stupide non plus mais mais effectivement ouais. euh, la méthode va être compliquée et après euh... après ouais, y a même moyen, je dirais mais... la même chose c'est que l'idée est bonne euh, va falloir que tu trouves un moyen de la mettre en place sans que ça te, sans qu te, que tu te fasses insulter par tous les services parce que chacun veut, en veut tirer parti et en fait euh... En fait, tous les services veulent être celui qui va récupérer le maire, en fait. Ouais. C'est débile, quoi. Bah, c'est bah... pas débile, c'est de la politique. Bah, en, gros, <laughs> euh, en, en gros, ton seul moyen d'y arriver, c'est peut-être de, de lâcher des infos que toi tu as pour, euh, pour ensuite en récupérer d'autres, quoi. Ouais, ouais, C'est pour, pour, pour ça que je voulais faire un espèce de board qui réunisse tout, que, toutes les, que tous les services puissent se tu, 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 tu pourras pas, ouais. venir, tout le monde est à travers la, toute, la, toute la ville là, donc il faut que tu le fasses euh, un truc euh, informatique, quoi, un truc euh, que. tu oui, oui, voilà. voilà, ouais. Ok, bah ben, ouais, moi je vais faire ça en fait. J'ai. Euh, ah. Ok. Tu voilà, rentres au, enfin, au central ouais. pour euh, essayer de aider à coordonner euh, l'action, euh, etc. Ouais, mais du coup, je vais, je vais me poser au niveau des, des anges et euh, le tableau, c'est là qu'on va le faire pour pouvoir circuler, faire circuler toutes les infos. Alors, cherche en fait. pas, hein. les anges, ils vont te foutre à la porte direct parce qu'ils euh, ont, ils ont trop à gérer en fait. Tu n'auras pas le temps, euh, faudra que des... et avant de faire ça, de toute façon, il va falloir que tu en parles à ton, à ton, à ton euh, lieutenant. Oui. C'est toi que... qui vas prendre une radio et qui va le faire, hein. tu vas, tu vas recruter un gars ou deux pour le faire, et puis voilà. Hein. Oui, bah, c'est pas grave, Bon, pour l'instant, tu vas voir qui euh, hobby. En... Euh, D'abord, Wedge, tu fais quoi Bah moi, je reste sur la scène où il y a tout le monde et compagnie, là, le lieu et tout, mais à mon avis, ça a été piétiné de chez Piétiné. Pour nous, il n'y a pas grand-chose à récupérer, piétiner. en fait. Il n'y a pas hein. grand-chose à récupérer. Euh... Mais en gros, je me mets en situation... Euh... On ne voit pas la camionnette, c'est ça hein Non. On ne voit pas la camionnette. Mais on sait dans quelle direction ils sont partis Non. Enfin, tu sais euh, par, par où ils sont partis à pied. Après, euh... ouais, bah, j'essaie de déterminer un peu euh, au hasard, essayer de trouver quelque chose. Sauf s'il y en a qui font aussi la même chose, mais euh, voilà. Bah, c'est un peu l'idée, c'est que t'as un peu des flics qui sonnent sur toutes les rues, euh, qui ouais, interrogent, ça, euh, qui cherchent des traces de pneus, euh, qui prennent, qui font des prélèvements. Le euh... ouais, truc, c'est en que... gros, il faut que tu te dises qu'est-ce que tu peux faire que les autres flics ne pourront pas faire à ta place. C'est pour ah, ça que tu... l'option des indiques est une très bonne option, l'option de la coordination est pas mal. À euh, doit te voir en fait. Bah, moi je vais prendre la version je frappe dans le tas, mais bon. Euh... Non, ça, tu marche pas. Ça, ça, ba... ça marche pas. Tu veux tabasser tes collègues jusqu'à ce qu'ils donnent leurs infos <laughs> C'est ça, non, <laughs> non, je déconne. Ouais, C'est pour la coordination, ouais, ouais, c est, c est, ça va pas provoquer une guerre inter-service, ça. <laughs> ça, va être, ça va être un peu compliqué pour toi en fait, Max. Hein. Vraiment très. <laughs> C'est bah, à dire qu'avec deux bras pétés, euh, la coordination tu veux de la foutre au cul. Hein, parce que, euh... <laughs> bon euh, un doute, je pense pas qu'il reste suffisamment de mobilité pour ça. C'est euh... ça. Coordonner. Quoi, euh, quoi ça. Je pense plus que je vais euh, patrouiller. En plus, le quartier doit avoir des quartiers, euh, enfin des zones euh, abandonnées ou des trucs comme ça quoi. Ouais. Ça s'appelle ça s'appelle un piège. Hein. It's a trap. Ah ouais, ouais ouais si tu commences à Duart à aller vérifier les endroits abandonnés tu vas tomber sur un gant qui va te tomber dessus. Ah ouais <laughs> Alors On, ce que on je peut te pas propose... faire ça en civil que je et te pareil. propose, <laughs> c'est tout un peu la même chose ah, Autrement tu tu avales une euh, balise GPS et tu fais ça Ouais, Et dès qu'on ouais, voit plus Je, je heure te conseille au même fortement de, de, de suivre la, soit l'in sur l'idée sur de, de, de consulter des, des, des indiques, soit d'aider euh, max. Ouais, mais moi, on si dit... ouais, mais... j'ai rien qui bah, me sinon, moi quoi. je te conseillerais de ne pas l'avaler. Mais de la faire rentrer par ailleurs. Hein, mais voilà. Bah, as, <laughs> si t'as pas tes indiques, mais t'as ceux, ceux de Tlon en fait. Hein. Ouais, mais des indiques de Tlon, je les connais pas. Quoi. Enfin... Oui, mais moi je les ai sous les yeux. Ouais. <laughs> Parce que euh, techniquement, on indique qu'il a quoi Il a les enfants abandonnés, là, enfin les, euh, Nino, les le jeune graffeur. Oui, mais il n'est pas dans le même quartier, Nino. Et alors C'est des gangs. Il a son épicier à South Central il a une petite frappe à Squidrow et euh, il a un éco-terroriste cool vétérinaire militant, Roy Ventress, le, le mec qui est avec son crocodile. D'accord. Bon. Ce que, je vais faire, ce que je vais faire, clairement, c'est euh, aller acheter euh, suffisamment de bouffées pour, euh, pour cinq enfants et puis je vais aller voir Nino. Ok. Bon, ouais. Oh ouais. Alors, on va faire d'abord Line, puis Max, puis on retourne sur Denis. Ouais. Alors, Line, tu vas voir qui en premier euh, le, euh, Pas le deuxième. <laughs> c'est à dire Randy Anderson, ok, Gangers de South Central, ouais, ok. Euh, bon, bah ça, ça prend un peu de temps. Hein. Le temps de vous donner un endroit où, où il ne verra pas où, euh, pour trouver un endroit droit safe pour vous rencontrer, euh, etc. Ouais, bah, donc bah, oui. l'endroit c'est une, une crack house où il y a eu un raid de la police il y a de ça deux semaines, d'accord. Donc il n'y a plus personne dedans, si ce n'est des scellés judiciaires. Ouais, bah écoute. Bah il te dit qu'est-ce que tu veux comme info exactement T'as besoin de quoi Bah En fait c'est simple, ils ont kidnappé la mère, euh, on veut la récupérer vivante. Alors ça le fait rien Alors. Oui bah. Ouais. Ouais. Ouais, j'étais pas, j'étais pas chargé de sa sécurité hein mais. Euh... Ouais. Euh, alors qu'est-ce qu'il sait sur, Tu poses des questions sur quoi Sur le gang euh, S'il a il a des. Il a des... Ouais ben bah, oui oui dans l'absolu oui je pose des questions sur le gang est-ce que on a euh, est-ce que... enfin, bah, euh, alors... ont pas l'habitude fin ce gang est pas connu pour faire du kidnapping donc ouais, pourquoi bah, ils tu il vas dire ouais, ouais clairement il euh... Et il sait que il, té... il témoigne des... Des... des fois des témoins de Jéhovah mais c'est tout euh, tu lui montes les images ouais Il te confirme que c'est bien le bon gang que c'est bien ce gang là hein que c'est les c'est les zougous. Euh... Alors il sait que euh, c'est des, des guerriers haïtiens et qu'ils ingurgitent des drogues de combat hein, euh, qui peut les rendre complètement timbrés. Ok. Et euh, surtout, euh, ce qu'il sait, c'est qu'il euh, y a d'autres gangs en fait dans euh, Duarte qui les aiment pas du tout. Et euh, de ce qu'il a entendu, bah, en fait, là, il a dit, hein, j'étais au courant pour le, le, le kidnapping du maire, hein, ça, ça commence à faire le tour. Et en fait, euh, je suis aussi au courant que euh, Baron Samedi et euh, Boko Baka euh, bah, ont commencé à, à mettre toutes leurs troupes en alerte euh, et full tout Little Haiti, euh, arme au point, pour retrouver la mer. Ok, ouais, donc en fait, euh, ça veut dire que si... Euh... Ça veut dire que les, les, les autres gangs euh, bon étaient pas au courant du art, coup hein. et sont pas du tout d'accord avec ça. Parce que ça attire ouais. trop l'attention. Donc il euh, y a de fortes chances pour lui, il te dit clairement pour moi, si la mer doit être gardée quelque part, euh, s'ils veulent être qu un peu sécurisés, ça sera pas du hard. Ouais, Squidrow peut-être ça va être un peu partout après euh, je peux essayer de me renseigner savoir euh, en fait il faudrait demander en fait ce, où, euh, où dernièrement en fait on a vu hors de Duarte les, les Zougous en fait bon, en tout ouais. cas euh, dans le coin euh, rien clairement dans le coin euh, okay. rien vu après après je peux essayer de, de passer quelques coups de fil mais bon ça coûte cher le téléphone oui oui non mais je, je, je vais le payer mais euh, je, je lui lâche 200 dollars ok donc, bah, bah ouais, je, suis, je suis généreux hein, quand même. Hein. Ah, J'ai pas le tableau hein, des, des infos euh, sous les yeux, hein, combien coûte chaque info. Hein, donc peut-être, peut-être pas. <laughs> mais euh, ok. Bah, après euh, si je fais la gueule, je rallonge. Mais euh, voilà. Ouais, non non, que, mais euh... il dit ok. Euh... Il va voir s'il trouve quelques infos, mais euh, il te dit hein, il faudrait que euh, faire le tout, euh, demander à d'autres personnes euh, qui ont peut-être vu dans d'autres quartiers. Euh, oui, c'est prévu, prévu. De toute façon, des blacks avec des âmes de rasoir, euh, ça passe pas inaperçu. Oh. Un quartier où euh, il pourrait euh, se planquer, c'est Norwalk, non il y, a, il y a plein de quartiers où il pourrait se planquer en fait. Hein. Oui, <laughs> Norwalk en bah, oui. fait partie, en effet. Mais... Norwalk, skid row, et le truc au sud, là, où il y, y a les. C'est inondé tout ça, là. Ça, c'est euh... pour les quartiers où il y a vraiment. qui sont vides, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est. Euh, J'ai un, un indique à Norwalk qui ressemble plus à un accident de voiture qu'à un être humain. Oui, euh... le gobe. Oui. Mmh. Du coup. Euh... Bah, déjà fait ton truc et après, peut-être, tire à ouais. le voir. Ouais, je pensais le prévenir que Lynn arrivait et euh, demander à Lynn euh, de lui tenir. Non, euh... cherche pas hein. euh, C'est ton indique, c'est bah cependant euh, moi je continue mes indices toi tu ouais. fais ton truc et puis après on échange oui. et, euh, je récupère le Ok euh, place, pour le puis... moment t'auras rien de plus de lui euh, ouais. c'est ce qu'il a entendu et Ok Max au central oui euh, t'as ton chef euh, comment s'appelle Iron Man qui est bah, qui est arrivé en urgence hein, comme une bonne partie des cops du service Alpha hein. ouais oh bah, je me doute bien tu vas voir lui, bah, ou tu vas coup, voir ton lieutenant le voir... de la semaine. Bah, je demande aux deux ensemble, enfin, je, je suis un moyen de faire une réunion vite fait pour. Euh... Alors, vu comment il s'agit dans tous les sens, non, tu ne pourras pas les avoir les deux en même temps. Mais euh, tu peux leur dire la deux... les deux la même chose, mais ça sera séparé, quoi. Bah, je vais leur dire les deux la même chose, du coup. Mais. Euh... En prévenant que tu vas le dire aussi à, ton... à l'autre, quoi. C'est ça, oui. Ok. Donc, quest ce que tu as dit Euh. On. On a un gros problème dans cette enquête, ce qui est que tout le monde se tire dans les pattes et tout le monde fait sa vie dans son coin sans qu aucune information qui circule. Euh, je souhaiterais mettre en leur, place. En une... réponse, tu leur dis ça, déjà leur réponse c'est merci. On avait un peu remarqué, c'est pour oui. ça qu'on essaie d'organiser le truc. Bah c'est ce que je voulais faire en fait, faire une espèce de centrale spécifique pour cette mission et euh, et re -re centraliser les informations et s'assurer que tout le monde a toutes les infos en fait. Ok. Bah écoute, euh, si tu veux t'occuper de ça, tu descends. À l'étage du SAD, euh, y a un, ils, ont, ils ont préparé un grand, un grand truc, tu euh, t'occupes tu tu, tu, pour le COPS de, en bas. Allez, c'est parti. Ok, bah j'y vais. Puis comme ça, Damas tu pourra voir ce que ça fait quand un flic fait son travail. On dit que Damas soit là, hein, on va Bah bien sûr que non, il pourrait prendre des leçons sur comment faire du travail de flic et il sera pas là. Donc t'arrives à l'étage du SAD, tu te présentes, tu, tu expliques pourquoi t'es là. En gros t'es censé faire la coordination entre les cops et le reste des services. C'est ça qu'on te okay. demande ah. de faire. Alors moi, moi j'ai juste une question quand même. Euh, les, les preuves qu'on a récupérées euh, de, dans la perquisition et qu'on et, et qu a, qu a essayé de nous tuer pour les récupérer, ouais. euh, elles sont où pense, ben, Au central je pense. Hein. Ok. Ouais. Et euh... Tu veux dire l'endroit On... le moins sécurisé de la ville c'est ça, <laughs> <laughs> c'est un peu l'idée quoi, parce que là, si euh... tous les flics sont en moins de rue pour chercher la mer, c'est le meilleur moment pour venir attaquer et récupérer les pièces à conviction, hein. euh, voilà. Donc moi, les pièces quoi, à conviction, bah, on non, les met dans pas. nos bureaux, <laughs> hein. on les met dans nos bureaux et tac tac, clé, on, les met derrière, on les ferme à clé, euh, garantie qu'il n'y a personne qui va les trouver. Hein. Je pensais demander parce à Iron euh... e d'ouvrir un compte dans une banque pour avoir un, enfin un compte sécurisé ah, quelque part. Non temps. mais, oh, voilà, on, comme, ça, on les, euh, comme ça on les enfume quoi. Ouais, ok, si tu veux. J'envoie ça par, euh, par SMS. Euh... À max. Ouais, <laughs> à max, bah du coup, je suis allemand. À... Ok. Pas de soucis. Euh, au SAD, bah, on te dit en gros, bah ouais, euh, tu. On te, on te charge, de tu seras en relation avec les anges, euh, tu euh, réunis les, les, les infos que les, des cops ont, tu les donnes euh, au coordinateur du SAD euh, qui va répartir les infos. Coordinateur du SAD, Damask. Euh, bon bah on aura zéro info il va nous chier à la gueule, c'est cool ça va faire plaisir bah, ça va être difficile qu'il vous chie à la gueule dans le sens où les infos sont comme tu dis il y a un espèce de gros tableau avec euh, les infos en fait qui, qui ils arrivent en fait mais le problème là c'est surtout que euh, bah, en fait euh, bah, Damasque récupère les infos et euh, choisit quelles sont les infos importantes ok donc en gros euh, il nous annonce qu'il fait beau à Duarte et euh, qu'il y a une petite vieille qui a traversé la route quoi non non euh, en fait, ils en sont, ils en sont à peu près au même point que ce que vous avez actuellement en termes d'infos. C'est à, à savoir que euh, pour euh, que a, la grosse supposition, c'est qu'ils pensent que ça sera que bah, ils savent que c'est quel gang c'est. Ils, ils pensent que c'est pas du art, que c'est gardé, mais qu'ils peuvent pas l'exclure comme ça, non plus. Et donc. Ouais, euh, ouais. Et t'as je... plusieurs, t'as plusieurs comment s'appelle capitaine ou lieutenants qui s'engueulent dans l'étage du SAD, parce qu'ils sont pas d'accord sur les différentes théories à savoir non c'est sûrement à Duarte c'est le plus gros gang de Duarte c'est là où ils sont le plus forts d'autres non ça serait complètement con qu'ils restent là je, je voilà. transmets euh, moi les infos comme quoi les autres, les gangs euh, mineurs euh, enfin plus faibles de Duarte se sont réunis pour euh, faire une battue pour retrouver tr la mer. Et que et qu'on on risque de se prendre une petite guerre des gangs euh, des familles euh, juste derrière. Quoi. Bah, du coup, euh... Max Je remonte la formation ouais, à Damas. Pas de mais tu fais En surtout lui disant que un... c'est une formation prioritaire. Enfin... Oh ouais, tu me fais un jet de euh, perception instinct de flic. Oh, je suis tellement content d'avoir augmenté perception et d'avoir baissé instinct de flic. Oh, c'est okay. tout euh, moi mais ça me suffit. Oh, euh, clairement. Hein. Euh, y a, bon, Damasque met le truc sur le tableau, etc. Mais tu te remarques en fait qu'il y a surtout un gros problème, c'est que euh, c'est qu'en fait les différents lieutenants ou capitaines qui sont là, euh, alors c'est pas qu'ils sabotent, mais tu sens que euh, entre et... ceux qui n'aiment pas la mer et qui, qui en ont un, qui, qui en gros euh... C'est pas ouvert, hein, mais tu sens qu'en gros, euh, le, le fait, ils se tirent tous plus ou moins la couverture pour des, à la fois des points de vue politiques, tout simplement, et voire même tout un, des désaccords en fait euh, qui soit qui n'ont rien à voir avec l'enquête, soit sur l'enquête elle-même. Euh, tu vois qu'il y a une partie du SAD qui, qui, qui est là en train d'essayer de faire de la médiation, euh, plus que de bosser sur le truc. Et le problème, c'est que Damas bah, Damasque, lui, bon, il a pas de soucis, euh, il est, a priori, il s'en sort bien. Mais euh, même si tu l'aides, le, le problème c'est que. Euh, c'est que, bah, en fait, une fois que tu as les infos, alors, euh, faire en sorte d'orienter l'enquête des, des gens sur place vers tel ou tel truc ne marchera pas, parce qu'il va y avoir des blocages politiques derrière. Je peux oui. même pas utiliser mon charme bureaucratie pour, euh, pour, pour euh, un fin, leur faire le coup du. Non, euh, non, parce euh, que, non, le, en tirer... fait, c'est truc. Le seul truc ce que je te dis, c'est que en gros, tu vas être au milieu des informations, d'une marée ouais. d'informations. À toi, tu pourras toujours sélectionner ce que tu as envie, mais tu n'auras pas euh, d'aide pour la sélectionner et surtout euh, pour prioriser. C'est-à-dire que les gens, euh, ch chacun des, euh, des, euh, des trucs, vont prioriser euh, vers leur, leur, leurs équipes, voire euh, a priori du côté du COPS, euh, bah, de ce que tu connais du COPS. Euh, bah, ils vont pas donner d'ordre en fait parce qu'ils comptent sur le, les, les mecs en fait. Ils ont place pour prendre les décisions. Évite aussi ouais, les, les implications politiques. Ok. Donc okay. t'es dans un panier de crabes, mais t'es au milieu des informations. Euh, je balance une grenade comme ça tout le monde est content et ça te passera bien. Euh, tu me fais un jet. Euh... Non, éducation euh... instinct de flic. Non. Un doute soudain, f Ah non, c'est 4, c'est pas trois. Ça change rien, sur mon jet d'avant, par contre. <laughs> soit frère. Deux succès seulement. Euh, tuk tuk tuk. Il y a une info dans l'ensemble qui, pour le moment, t'attire le. le... L'oreille ou le regard, ce serait que euh, des gens auraient vu des blacks avec des lames de rasoir du côté de Van Nuys, euh, près oh, nice. du studio euh, d'Orsel Forever. Mais euh, pour l'instant, personne n'a pris la piste euh, en question. Euh, elle est arrivée. Euh... A priori, ça serait un, un indice d'un mec de la crime qui aurait, trop, qui aurait balancé ça, mais euh, bon, ça n'a pas l'air de le truc. C'est qu'au milieu de tout le monde, voilà. C'est le quartier des films pornos. C'est le quartier des films porno. Tu veux le tourner un porno avec la la mère euh... Ok, bah moi je transmets l'information par SMS à mes collègues. Denis En mode okay. euh, urgent, urgent. Moi je suis Denis. Denis et euh, Guillermo. Quoi mm -hmm. bah. bah je t'ai dit, on a chez ah ouais. nous voir Nino mais savoir si, si, si tu changes d'avis ou pas. Donc, euh, ok. D'aller voir... Les... Oui. Attends. Je reçois le SMS avant d'arriver chez euh, 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 Quand tu es, 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 es en train de rentrer dans l'immeuble le, le, mmh. ah, ça, euh, ça a pris déjà quelques temps juste d'organiser la rencontre. Hein, parce que euh, ouais. je rappelle que pour trouver Nino, il faut suivre des indices à la con. C'est pas faux. Mmh. Ça mange pas de pain de le rencontrer, hein. tu, tu oui. arrèges la conversation et puis voilà. C'est clair, je, je fais rapidement quand même et voilà. Quoi. Au pire, je lui filerai quand même la bouffe, même s'il si, même ne dit rien. Mmh. Hey. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait te dire euh, C'est si. le euh, bah, Lui, il te dit en fait que, euh, qu'il a des, euh, bah, des, des gamins qui sont sous son aile qu'aurait vu... Euh, un blague bizarre à la mine patibulaire euh, qui a fait ses courses chez un Coréen à temps, et, euh, et qui est reparti genre avec, euh, avec masse euh, masse de bouffe quoi et ça a attiré l'attention la, des mômes en question parce qu'il avait vraiment beaucoup de bouffe et il est parti dans un van euh, immatriculé à Doerte. D'accord. Euh, il a une immatriculation Non. Non non juste qu'il y marqué euh, du hard forever ou une connerie comme ça derrière quoi. D'accord ok. Pays, vais essayer. Mais bon, bon. Du coup, dans ton téléphone, tu as un SMS disant possible contact, mais possible. Contact, mais, euh, possible. Sur, S'il y avait moyen de souligner dans les SMS, sur y aurait 75 soulignés en dessous de possible. Ouais. ouais tu tu m as m as entendu, De tu Tu payes l'info quand même, hein. tu retires 100 dollars aussi, hein, monsieur. 100 dollars de bouffe euh, pas que de bouffe. Allez, prends de l'argent. Ah, et de peinture. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. C'est que t'en as pour 100 dollars pour avoir l'info. Mmh. Okay. Et, et de médicaments aussi. Mais 100 dollars, de toute façon, c'est Guillermo qui aura choisi ce qu'il a acheté. <laughs> non, mais si c'est Guillermo qui, euh, qui choisit, il y aura que de la tequila. Non, pas pour les enfants. Il, il, ah. a, arrêté, il a arrêté la tequila à 3 haute à 12. Maintenant, et, il ne plus et... de la tequila comme un Mexicain. Et du coup, euh, le... Le, le lieu là de, de, de l'épicerie où ça, où le mec il a acheté beaucoup de bouffe, c'est loin de, de l'endroit où on a des euh, la... quartier des pornos. Alors attends, je vais du mettre porno. la carte, sachant, sachant que euh, du coup euh, ils m'ont dit que c'était au... au Marc Dorcel, euh, c'est machin. Du coup, euh, je vous donne l'info. Hein. J'avoue que ça peut être assez rigolo. Marc, la mère, elle aime bien la culture. Hein, Peut-être qu'elle a envie de, de s'y mettre aussi un petit peu. <laughs> c'est <le> moche monsieur <laughs> c'est très moche bah en même temps on, on, on... est-ce qu'on est vraiment sûr que c'était contre son consentement le kidnapping hein elle est mignonne la mère euh... c'est pas une vieille peau quoi enfin, c'est euh, euh, bah, euh, non c'est pas une vieille peau non non clairement pas vous ai envoyé en pdf le, le euh... Image de, de truc donc euh, normalement tu dois avoir dans les dans les numéros hein, temple city et euh, van nuit 20 et 21 pas du tout à côté en fait hein, malgré leur numéro t'as envoyé euh, sur euh, Rollistiam sur ou dans ah ouais. Box Un rien moi En PDF tu l'as envoyé Ouais en PDF Tu l'as ouvert Ah ah comment on fait ça Le PDF Comment on fait ça Ah là que... j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé Comment t'as fait quoi toi Bah, euh, je l'ai drag and dropé pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Oui, bah, du coup, il est ouvert chez toi, mais il est pas ouvert chez nous. Et après, t'as un bouton partagé en fait. Ouais, c'est ce que je vois, ouais, enfin. Euh, document euh, tout all, c'est ça Attention, PDF est assez gros, vous êtes-vous sûr de vouloir continuer ouais. On va faire oui, hein, on verra bien. Je sais pas si. Ouais. J'ai je... pas ouais, de. Il, il fait moins d'un méga, hein. Oui, oui, non, mais je sais pas si ça marche parce qu'il y a des bugs. Euh... Alors, si, c'est bon, ça a marché chez moi. On je l'ai. Ouais, je l'ai. Voilà, voilà. Par contre, je virerai, euh, virerai l'option euh, pour euh, les gens qui ne sont pas propriétaires du PDF. Tu vois. Du coup, moi, je peux encore vous le renvoyer et le partager avec vous. Donc, euh, voilà. donc du coup, tu m'as dit c'est 20 et 21, c'est ça Ouais. 20, euh, c'est Temple City, c'est l'info que euh, Denis a eu. Et 21, c'est Van Nuise, l'info que Max... Ah oui, oui, c'est un peu loin quand même. Et vous, vous êtes, pour une partie d'entre eux, Max, théo 5. Et pour les autres, Duarte, Duarte, attends, on est où est Duarte 6, Duarte. Pas loin de 20, en fait. Ouais. 17, c'est pas ça, des La... La route, elle est fermée entre 17 et 6, sur moi. <rire> non. <rire> Comment pas? L'autoroute n'est pas fermée, non? <laughs> ils, ils viennent pas nous envahir. Ah bon? Euh, donc il y a un mec qui a acheté plein de bouffe, mais à côté, c'est à côté du art au final, donc je. La Temple City. Après, on a, vous avez pour le moment jamais mis les Temple City, donc vous ai jamais fait la description des lieux. Ouais. Et du coup, soit. Euh... Soit ça à Temple City, soit euh, pour dire, soit ils sont venus à Temple City faire des courses au passage et ils se dirigeaient vers ensuite vers euh, le cours chez un Coréen. Ouais. Moi je dirais euh, vu que je suis pas loin euh, Vu que je suis pas loin je vais passer dans le vin, passer devant euh, devant euh, la boutique en question, euh, voilà, essayer de, de, de se jeter un petit peu et, euh, et après euh, bah, je verrai quoi. Si, euh, si je trouve euh, un van qui correspond à la description, je planque, sinon euh, je. Ok. De euh, toute façon, c'est toi qui fais le prochain coup. Max, toi, tu as réfléchi à ton prochain coup Bah, moi, je suis plutôt dépendant des informations qui débarquent euh, au okay, central. Ok, c'est la question. Tu restes au central ou tu bah, allais voir ton contact, me... en fait sources... Parce qu'en un moment, tu avais parlé aussi de ça. Ouais, mais je pense que c'est plus c'est okay. efficace de rester au central. C'est là où il y a le plus d'infos qui circulent quoi. Ok. Et Denis, ton prochain coup Ben moi, j'envoie je déjà un SMS à, à comment à Max pour lui dire euh... voilà, je vais, aller, euh... je vais aller enquêter au quartier des temples euh, sur un truc, sur une info que j'ai eue et puis je te tiens au courant. Ok, donc tu vas te tu vas te rejoindre avec euh... ouais. Ok. Ouais là j'ai pas d'autres idées euh, bah ça roule de toute façon ma réponse c'est ok tu... euh, bon courage euh, faites gaffe à vos culs et euh, tenez-moi au corps euh, toi, le, le, la... toi euh, Lin t'étais au 19 hein. on est d'accord t'étais au 19 ah, t'étais à South Central pour aller voir ton, ton contact ou euh... c'est celui qui a je sais plus c'est lequel il est où Ouh... basé où ton contact il est fait parti de quelle gang oui c'est ça, euh, gang de sens central donc a priori. Ouais euh, sens donc sens ça sera autour de ça au Christ... central. Ouais c'est ça. T'es et... descendu jusqu'au jusqu'au oui, ouais, bah, 19... tu... sachant que euh... comment s'appelle Denis, lui, il est dans la zone euh, qui est entre le 19, le 9, le 11, là, le. La zone qui a pas de numéro là, ça. Ouais. Oui, bah qu'il aille directement au 21, moi je vais faire un crochet là, au 20 et après je, je rebique... Euh... Ça te va Denis ou pas Oui, moi ça me va très bien. Ça vous je suis juste, un... Je suis juste un petit AFK vite fait. Ok, bah de toute façon je vais faire d'abord les... T'inquiète pas, vas-y. Okay. ok, Temple City... Euh, Denis Bon, tant pis. Temple... Temple City, je... bah, vu que vous mettez les pieds pour la première fois, je vous fais quand même un petit topo. Quand même, c'est quoi Temple City Alors, adossé au contrefort de la montagne San Bernardino, coincé entre le ghetto menaçant de Duarte, Montebello... Montebello et El Monte, Temple City n'est plus, plus la petite bourgade tranquille de, de, de communauté middle class, saine et unie du XXe siècle. Euh, depuis 2011, elle est administrée par l'Église baptiste de la, de la compassion du Christ indulgent, le BCCI, l'une des innombrables sectes protestantes qui parsèment le sol nord américain. Euh, ils ont choisi euh, cet endroit pour le nom, enfin, clairement parce que Temple City, quoi. Et ils oui. ont décidé d'installer le leur quartier général, leur communauté, leur terre promise. Okay. Je passe à côté de, 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 de leur religion, etc. Hein, si ce n'est qu'ils sont assez euh, particuliers. Euh, ils ont des pères fondateurs, Alors, donc une espèce de, de grosse secte, en gros, qui gère l'endroit, hein, pour faire simple. Ouais. Bon, ils se reproduisent donc, entre frères et sœurs. Voilà. Y a de ça après donc ça c'est vraiment le gros gros euh, truc donc euh, temple city euh, as... le seul lieu vraiment remarquable est son hôtel de vie dont l'architecture est assez banane mais elle est présidée par le, la, le pasteur euh, albrecht du euh, temple city n'a pas de commissariat mais il n'y a pas énormément de délits choses. en fait sur place il y a 25 000 habitants le niveau de vie est assez bas euh, c'est plutôt un quartier résidentiel mais, 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 mais la, la secte ne coopère pas du tout avec les forces de l'ordre. Voilà. Ils ont leur propre police religieuse interne. Euh, ça doit être l'idée, je pense. Euh, ouais, c'est ça. Ils ont une police privée qui s'appelle Loli Arm of Justice. Entraînée, équipée, financée par la secte. Ce qui est vachement rassurant sur le côté légal de la chose. Et donc, euh... nous, on a le droit d'y rentrer ou pas Ouais, euh, bien sûr. Puis, ah, vous euh... êtes pas... oh, euh, le truc, c'est que. Euh... Y a pas de souci euh, pour y rentrer en, en soi, c'est juste que euh, bah, ils ont tendance, y a, ils ont tendance à pas appeler les flics et à régler leurs problèmes eux-mêmes, quoi. Mais et il est y a que... des très gros, y a une grosse tension par contre avec euh, depuis deux trois ans avec les, co les commerçants coréens co qui viennent s'installer à Temple City et qui ont commencé à ouvrir des, euh, des magasins ne proposant que des produits euh, de la congrégation depuis peu, euh, mais depuis peu. En gros, euh, le problème, c'est que la congrégation est anti, euh, comment s'appelle, euh, euh, tout ce qui est technologie, nouvelle technologie et autres. Et bah, les Coréens, ont tendance à plutôt en vendre. Quoi. Donc, il euh, y, y a quelques petits soucis. Ouais. Voilà, donc il y a des tensions Pardon. entre la communauté coréenne qui s'est inst installée depuis la, la fin de la guerre euh, et euh, cette, cette espèce de secte qui tient le... Mais euh, tu sais, au billet, t tout, -tout est sec, tu peux y rentrer comme tu veux. Hein. Le problème, c'est qu'il faut juste que tu donnes tout ton argent et tout ton libre abri. C'est plus subtil que... Ouh, genre... Donc voilà, c'était pour te faire un petit topo de Temple City. Et euh, ça explique un peu pourquoi aussi, pour le moment, vous avez jamais mis les pieds. Hein. <laughs> D'accord, mais on peut faire une arrestation. Ah mais complètement, on se reste le territoire de Los Angeles. Hein. Euh... C'est juste que, euh, bah, ils, se, ils ont leur communauté et euh, ils ont tendance à, à pas faire appel à, à la police et à régler le truc. S'il y a un problème, en fait, ils ont tendance à faire leur, leur truc dans leur coin sans rien dire à personne, quoi. Oui, Mais euh, après, ouais, ils comme je te dis, ils collaborent pas spécialement avec les forces de l'ordre. Par contre, il y a peu de criminalité, il y a peu de délits mais il y a aussi peu de policiers sur place, quoi. Il est quand même idéal pour... Euh un peu ce que tu veux oui mais je pense que non justement c'est le genre d'endroit où tout le monde surveille indirectement un peu tout le monde et du coup je suis pas sûr que ce soit facile de s'installer bah, là tu peux en faire ce de... que tu veux si tu te fais pas gauler en fait ouais, c'est que si tu restes discret euh... non plus euh... voilà. la mort donc pas ça c'était pour décrire les lieux maintenant arrivé arriver sur place ouais euh, bah, des, 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 le truc, c'est qu'on t'a dit, dit des magasins coréens. Et des magasins coréens, il ouais, y en a quand même un paquet. Hein. Eh ben, euh, moi, je fais vite fait le tour. Hein. En général, les coréens, ils coopèrent, eux. Donc, euh... donc euh, tu vas les interroger en leur demandant s'ils ont vu... Ouais. Euh... Je leur montre une photo, un grand black avec un van, machin, euh, des, des lames de rasoir. Euh... Ok. Tu Et me fais de... un, un petit jet euh, de social, en gros, euh, ton, ta compé tes compétences sociales, histoire de voir si... Euh... Intimidation mmh. <laughs> ouais, ça c'est de la diplomatie. Vous allez parler, monsieur Mais oui, je voulais parler. <laughs> Diplo quoi Bah, après, je peux le faire en rhétorique, mais j'ai beaucoup moins quand même. Allô. <laughs> Disons que si tu le fais en rhétorique, je te mettrai en difficulté 1 parce que, quand même, ça me paraît plus logique. <laughs> Et que je pense qu'il collabore mais c'est juste histoire de voir si tu le. Tu ressembles trop à un gars de la secte, à une nana de la secte ou pas en fait, c'est surtout ça. Ouais, ça fait 5 c'est 8 quand même, bah 1, voilà. Ok. Clairement, ça aurait été mieux. Ouais, 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 on t'indique, on te, On t'aiguille vers là où ça s'est passé. Et en effet, ouais, t'as un marchand coréen euh, qui t'explique qu'il euh, y a, un... y a, y a Il y, y, euh... y a de ça quelques heures, il y a, y a un black euh, avec des lames de rasoir euh, qui est venu euh, dans, son, dans son truc et qui a acheté euh, de quoi nourrir euh, une vingtaine de personnes. Okay. Et il est parti dans un van, il euh, te dit un van, euh, comment ça s'appelle Il euh... te décrit le van, la, la couleur du van, etc., le modèle. Par contre, il a ouais. pas regardé du tout la, la plaque. Mais, okay. euh... Et vous avez pas de caméra de surveillance pour la plaque bah non, c'est à l'extérieur, il s'est il juste garé devant. Oui, bah. Euh, Mais par contre, il te fait la description du van, et le van est assez significatif euh, en termes de gueule. Hein. D'accord. Il y a une marque dessus, alors il y a marqué, c'est marqué, c'est un van commercial, donc euh, je suppose qu'il doit y avoir une, un nom dessus, en fait. Hein. Alors, ouais, un logo, ou un truc comme ça. ça, quoi. Ok, bah je, je, je le remercie. Euh, je lui prendre une description du logo, évidemment. Hein. Et, euh, hmm. et je l'envoie euh, à bah, Denis et euh, Max. Et Max. Et puis euh, je vais. Euh, euh, je dis que ça serait peut-être pas mal d'envoyer des gens fouiller en fait euh, le quartier, voir si on trouve ce, ce, ce van quoi. Okay. Euh, C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de fond Mais, Du coup, euh, Max, euh, les infos que toi tu as et que tu sens pertinentes, n'hésite pas à les renvoyer aux autres cops en fait, hein, même si ça pas. Oui. Euh... Oui, oui, oui. Oui, complètement. Ok, euh, je vais faire d'abord le, le truc de Denis, histoire que tu puisses euh, avoir l'info de ce qu'il y a au 21 avant de, de continuer, euh, Max. Ouais, hein, ouais, Denis Oui Ok, t'arrives à Van euh, Nuys. Ouais, devant Van Nuys, nice, euh, en fait. Ouais, Van Nuys, nice, excuse-moi. Euh, euh, devant donc, les, euh, les studios de dorsell Forever, qu'est-ce que tu fais euh. Ben, bah, je fais un premier coup d'œil euh, rapide, tu sais, je passe euh, comme si j'avais pas à l'endroit et je jette un coup d'œil euh, comme ça, quoi. Ok, tu me fais un jet de perception, difficulté 3. Alors, attends. Les vitres sont fumées. <laughs> euh, C'est. Tac, tac, tac. Euh... Ouais, aujourd'hui je suis en forme. Je refais le même jet avec euh, 4D. 4, euh, voilà. Je pour. Wow et bah il est aussi en forme que toi <laughs> J'ai du caca dans les yeux ah, ouais. <laughs> Ok bah non tu vois rien hein. Tu fais le tour du car du car du bloc et euh, un peu autour euh, rien Ouais Tant pis bah, en même temps ils vont pas avoir des vitrines ultra ouvertes hein, les mecs euh, vu, vu leur, euh, leur vu de commerce, leurs activités, euh... ouais. Ouais à un moment euh... Oui mais on aurait peut-être Discerner une camionnette, quelque chose comme ça. Euh, la camionnette avec la marque qu'on t'a donnée, non, euh, clairement pas. Des camionnettes, par contre, dans le, dans le coin, il y en a un paquet, ouais. Euh, ouais. Mais bon, euh, ça va pas t'aider. est il y en a qui bougent Ouais <laughs> Mais souvent, c'est parce qu'elles sont sur la route et en mouvement. <laughs> <laughs> T'es sûr <laughs> Bon, bref. Euh là je vois pas trop à part rentrer bonjour euh, voilà à part y aller à la Denise quoi Bah, fais comme tu veux hein. Euh, vas ouais, vas-y ouais dis que tu veux tu veux remplir un formulaire pour, euh, pour participer <laughs> Ouais, bien sûr pas hein? sûr que t'aies le temps de, de faire une infiltration mais c'est <laughs> ce que ça... est une euh... pénétration monsieur dans cet endroit pas une pénétration <laughs> Bref, bon, bah... Allez, moi hein. Gentiment euh, et tout. C'est quoi, tout. tu te présentes euh, où ça Au truc de Dorselles Ouais, au truc de Dorselles, ouais. Ok, bon, bah il y a... Il y a l'accueil. Il y, y a un accueil, ouais, ils te regarde. C'est, euh, je suppose, en uniforme Oui. Alors ils te regardent, ils disent, ah non, c'est... Dans trois jours, le, le tournage. Euh... Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour euh, une enquête. Nous sommes de vrais cops. Oui, oui. Ok, bon. Tonisca. Euh... <laughs> <Dennis, bon. rire> ok. tu sens l'exaspération monter <rire> <rire> Non, du tout. <laughs> euh... Non, mais c'est vrai de vrai. Est... On n'est pas là pour... Euh... Vous êtes des vrais cops et vous savez jouer de la matraque, j'en suis sûr Dommage, Guillermo n'est pas là parce que sinon je j'aurais fait. Je, je, je vais laisse je vais pas pouvoir gérer. Ah, il est pas là Mais il est pas là Après, tu peux jouer son perso hein, si t'as envie de jouer son perso. Non, non, j'y arriverai pas. Il y, a que, il y a que Tlon qui peut jouer euh, Guillermo. Donc bon. Oh, je... Ouais, je sais pas. <laughs> Bref. Et euh... un peu plus confiance en toi. Vas-y, vas-y. Je vais, je vais y aller et puis je vais faire. Bon, écoutez, je ne vais pas aller par quatre chemins. Euh, faites vos allusions comme vous le sentez ou autre. J'en ai rien à faire. Voilà. Est-ce que vous auriez croisé ce, ce genre de personnes Je lui donne la description de euh, où. Ah si oui, oui, photo, euh, oui. On en, a, on en a cinq là derrière. Ah, est-ce qu'ils étaient avec deux femmes et un enfant Alors, pas avec un enfant. Il y avait bien deux femmes. C'est interdit par la loi. Oui. Et... Ah, ils sont en train de tourner, demander ça. à voir les femmes en fait. Règle numéro 34, ils ont appris qu'il y avait un événement comme ça, ils en ont fait une version porno. <laughs> c'est probablement <laughs> des actrices, C'est on jamais Bon. Euh, Là, le tournage donc... est en cours, euh, on va pas l'interrompre. Euh, puis c'est À moins que vous ayez un mandat, je peux pas interrompre le tournage. Hein. D'accord, donc je lui sors la fameuse phrase. I'll be back. D'accord. Ouais. <laughs> de, Demande-lui si, si une des actrices c'est la mère. Hein, déjà, euh, si il dit non, euh, il n'a pas l'air de bullshité. Euh. Ouais. Euh, Est-ce que une des actrices elle est, est euh, Madame le Maire ou pas quoi Ah dommage, je voulais faire un jeu de mots sur les mamans. Euh... Euh, ouais. <laughs> ah ouais. Ah euh, ouais. Euh, mais non. Mais non. J'ai. Ça marche pas en anglais. Hein, mais... Je pas... sais que ça marche pas en anglais, mais ça marche en français et on joue en français. <laughs> Mais euh, ils te disent euh... ah oui il y a bien une actrice qui ressemble à je crois qui ressemble un peu à Madame, à Madame le maire. D'accord. Bon. La même couleur beaucoup. de cheveux tout ça. J'appelle Max. Okay. Ouais. Il euh, faut que tu me tiennes un mandat pour arrêter un tournage à telle adresse et compagnie. Euh, suspicion que euh, j'ai besoin de trouver euh, la personne. Mais ne pas trop le truc parce que sinon ça va ramener euh, tous les pompiers et, et tout le monde ici et je vais faire ça plutôt discrètement et pas en sang. C'est bizarre, tu m'as demanda euh, si tu l'as trouvé. On envoie le sweat, hein, on s'en vient pas. Euh... Non, je préfère y aller à la, à la mollo et au cas où ça ne serait pas le cas, je préfère y aller mollo. Si je préfère pas. Euh, le tout le tout MJ ça. demande où est passé Denis. Nice. Quoi <rire> <rire> Oui, oui. Euh, alors, moi j'ai une question pour toi, euh, Denis. Oui. Euh, Est-ce que tu as vu les gens directement en vrai Non, je peux pas les voir. Ah, attends, je reviens. J'te... Enfin, je te rappelle. Rebonjour Oui. Est-ce que vous m'autorisez à regarder euh, l'arrivée de ces personnes euh, sur vos caméras de surveillance Je ne prends pas. Ah, pas sans cam... mandat. <rire> <rire> euh, alors. Autrement, tu peux leur dire que si euh, on a un mandat, c'est le SWAT qui débarque. Du coup, est-ce qu'ils sont vraiment certains de vouloir jouer à ça Et que le tournage risque d'être interrompu pendant longtemps. De euh, longues et... heures. Et, et le studio, un peu inaccessible jusqu'à ce qu'on ait fini l'enquête. Ouais, c'est pas faux. Ouais, bon, bah, vas-y, je leur sors ça. Et en sachant que. Un jeu pille... d'intimidation. <laughs> Ah. Voilà. Ah. ressentez ah. le bonheur parce que cl clairement clairement si c'est si la mer qui est là dedans gros euh, moi il y a toutes les filles de Los Angeles qui vont débarquer hein. et, euh... Quoi et et qu'on qu va fuir <laughs> tout hein. <laughs> oh, t'es euh, sûr t'as que 600 en intimidation euh, Denis bah oui ouais, que ah oui, genre... mais c'est attends c'est parce que je l'ai fait sous son froid là parce que oui ouais, mais c'est sous sang froid de hein, toute ah, façon ouais. euh... Et que un que elle plus... est pas spécialement impressionnée par ta musculature. Elle en a vu, de... elle a vu mieux. Hein. Bon, <laughs> elle a vu surtout beaucoup moins habillée. <laughs> à toi. Non, attends, je fais son jet de résistance d'abord. Ah. Un ah, si. pile, donc réussi. Donc j'ai réussi Oui, t'as réussi. Ouais, bon. Euh, en gros, bah l'appel, il y a un gars de la sécurité qui, euh, qui vient avec toi. Euh, et qui te dit bah. Euh... Promis, je fais ça discrètement. De toute façon, c'est pas promis. Hein. Si tu fais pas ça discrètement. personne euh... bah, Voilà, non, on t'assomme pas, on te fait sortir. Mais en gros, tu rentres dans le studio. Oh, bon, sont s'en prend coït Et non, il n'y a pas la mairesse. Et les mecs, ils sont habillés, c'est bien des blacks. Mais ils ont pas des lames de rasoir, mais ils sont plutôt habillés comme des cannibales, en fait. D'accord. Okay. Bon, enfin, c'était bizarre comme truc, mais euh, bref. Je rappelle Max et je fais oublie ma demande. C'est bon, j'ai vérifié. C'est pas la mer. C'est voilà. C'est. Et après, euh, tu me fais un petit geste, s'il te plaît, euh... Denise. De. Euh... Euh, ça va être quoi De coitus in opinion. Non, ça va être de. Euh... De, charme de charme éloquent, euh... s'il te plaît. Tu sais que c'est ma pire. Je m'en fous. Tu le fais. Voilà. Est-ce que tu veux dépenser un point d'ancienneté pour réussir le jet J'en ai pas. Dommage alors. Euh, fais-le aussi pour euh, Guillermo s'il te plaît. Vas-y. Ça c'est pour étaient des poursuivis pour avoir maté les actrices. Non non non, pour le coup non, non c'est pour ça, avoir des... pour avoir un ticket, non Non plus, c'était euh... pour avoir des Alors oui si tu fais vraiment très haut, mais non c'était pour avoir des infos en plus. Euh, attends. Alors, charme 3. Et on a dit Éloquence 6. Ah oui. Oh Ok. En, en gros, euh, Guillermo tape la discute avec le Vigile pour savoir s'il y a d'autres tournages en fait en même temps dans les autres studios. Ouais. Et savoir qu'est-ce qui tourne pour, sa... en fait, pour savoir si en fait on... on lui montre pas un truc pour le bullshiter quoi en fait. Oui. Et non, clairement pas. Il n'y a rien qui a l'air de correspondre et euh, Vigile, euh, non, non euh, ça. Enfin, il y a, ça... Qui vous dit en fait correspond au planning qu'on vous a filé parce qu'on file le planning de, des, to des tournages sur les plateaux. Mm -hmm. Ça a l'air assez réglo entre guillemets. Et elle ressemble, il à... y, y a une des actrices qui ressemble à la mer, ou pas euh, Vite autre. fait, euh, vite fait de loin, de loin dans le brouillard. Avec de l'alcool quoi. Mais ouais. ouais C'est ça. Euh, non, clairement pas en fait. Hein. Ok. Ah ma piste est peut-être plus plus juteuse alors. Elle n'est pas encore cramée du moins. Okay. ok. La okay. juteuse elle le sera moins ouais. probablement, mais. Ok. Du coup, euh, je, trans je transmets à Damas que l'information sur euh, Van Nice c'est du vent. Ok. Bon bah, c'est biffé. Euh, je transmets l'information sur euh, Temple City, enfin. Ok. Bah, de toute façon, on t'a demandé si d'envoyer quelques patrouilles. C'est ça. Euh, bah, écoute, tu me fais un, un jet. Euh, comment s'appelle Bah, ça va être éducation, bureaucratie pour les convaincre en fait d'envoyer des patrouilles dans un endroit où ils sont pas bien ils sont pas spécialement bien vus en fait les. Flics. Ouais en tout cas je tourne hein, du coup. Ah ouais mais, mais, je te dis d'abord je fais max après je reviens sur toi. 3 3 succès. Succès. OK ouais. pas de souci. Euh, ils vont envoyer plusieurs patrouilles pour voir s'ils trouvent pas ce, ce van. OK. Et, euh, et le, le van le et et euh, s'est demandé aussi à tous les flics de Los Angeles si des fois euh, si des fois ils voient ce van. Un van avec ce, ce truc de signaler en fait tous les vannes qui portent ce truc dans, sur Los Angeles parce qu'on on sait jamais ça, la description <laughs> quoi eux correspond à un gars du gang donc ouais. euh, ça reste <laughs> justement, une piste Justement j'essaie de voir si euh, dans les informations qu'on a des témoins de la scène du crime euh, ouais. quelqu'un a pu remonter un van avec un des, euh, bah, une Tu, tu, comme tu ça. regardes tu regardes, le, tu, tu regardes sur le truc des témoins, c'est simple. Il ouais. euh, y a deux types de témoins qui ont parlé. Il y a ceux qui ont rien dit pour la plupart et ceux qui ont dit de la merde. Okay, alors ceux qui on ont plus vus et les autres, euh, ils, ont, ils étaient devant les caméras. Non mais okay. en gros, il n'y a, a pas d'infos sur le van malheureusement, euh, à part un bruit de moteur. Et ceux qui potentiellement auraient pu voir le van bah, ferment leur gueule parce que bah, c'est un gang local et que euh, s'ils ouvrent leur gueule, ils vont finir en, en sashimi. Quoi. Ok, euh, bah, du coup je transmets aux cops aussi les infos sur Temple City et le fait que Lynn est en train de, okay. de, de faire de la chasse au van euh, tout seul. Donc, euh, ouais, si la est faut pas qu'il hésite. De toute façon, je, je te des patrouilles vont y aller. Hein. Cops ou pas cops, il euh, y a d'autres patrouilles, patrouilles qui vont faire le, le tour discrètement dans tous les cas, parce que euh, le truc étant de pas, euh, quel que soit l'endroit, de, de pas alerter les, euh, ouais. les gars. Dans tous les cas, Lynn. Oui. Euh, tu me fais un. Euh, comment ça s'appelle Un jet de. Euh, de perception, difficulté. Bah, raté. Tu veux pas craquer un truc j'ai rien, j'ai okay. rien dépenser, Bah ouais. tu trouves pas le van Moi, euh, je, Au bout d'un moment en fait il y a quelqu'un qui euh, euh, ça a fait, Je passe à deux, Pour le moment tu tournes en rond Tu cherches dans Temple City Denis Tu fais quoi Qu'est-ce que j'ai de Comme piste de nouveau Ou quoi Bah déjà t'as as cette histoire de faire des patrouilles à Temple City euh, Qui est arrivée dans, dans la radio Ouais Mais il n'a répondu qu'elle y était Ouais, mais il y a d'autres patrouilles qui doivent y aller aussi. Donc, soit tu les rejoins, soit tu vas sur autre chose. Ça ne mange pas de pain hein, que vous veniez hein, pourrait essayer parce que du coup. Euh... Ouais, vas-y, on... on y va. Bah, pareil, jette perception. Ok, Décidément. et tu fais l'autre. Attends, tu des cherches. Pour ah, euh. fais-le à la main, ça ira plus vite. Hein. Ça veut... Ah Ok ah, ah, <laughs> ça ah, ah, voilà. Bon il bah, euh, y, y a Guillermo qui, repène, euh, qui repère le van euh, la description du van sur euh, Zachary Street. Et il a l'air vide. Euh, Est-ce qu'il y a des gens de l'anti gang avec nous là Ou, euh, euh, Il gens... y a quelqu'un qui supervise, ouais. Euh, bah je lui demande si euh, le gang est connu pour avoir des liens à Zachary Street. Zachary Street c'est juste la, le nom de la rue hein, où, euh, Oui, enfin dans les alentours de. Le le... Temple. Non, 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 non. Pas connu. Ça, ça ressemble à quoi euh, la rue en question C'est des, des bâtiments, des maisons, euh, des C'est euh, alors c'est résidentiel avec un peu de zone commerciale. Avec okay. des, des des un peu comme partout dans le coin en fait. Hein. Et, et du coup, euh... Euh, elle, elle est garée au milieu de nulle part ou elle est garée en face d'une un, maison Elle est garée euh, normalement euh... Euh, en face d'une maison, mais euh, au milieu d'autres voitures en fait. D'accord. Euh, moi, du coup, je remonte à Damas avec que, que l'info enfin, que, que ça a été repéré. Ok. Euh, que, on, bah, en fait, on demande à ceux qui l'ont repéré s'ils ont besoin d'un van d'experts en fait. Euh, pour l'instant, non. non. Dit, ah. pas où... Par contre, on a peut-être besoin de drones ou d'hélicoptères euh, discrets à faire circuler en hauteur euh, pour voir s'il n'y a pas des groupes de gens à des endroits bizarres. Genre des entrepôts, des choses comme ça, par caméra thermique. Je sais pas si ça ouais, va. Bah, euh, ouais, bah. On ouais, verra, ça va pas arriver tout de suite, hein, s'il y en a. Oui, non, non, mais nous, nous, on va, nous, on va essayer de faire le tour, en fait. L'idée ça... étant de, de, de surveiller le van, euh, histoire que personne vienne, euh, vienne faire chier quoi que ce soit. Et en parallèle, regarder dans les maisons autour, s'il y a pas. Euh... Parce que 20 personnes qui sont dans une, dans une, dans une maison ou un appart, ça doit s'entendre, ou se sentir, se voir, quoi. Donc. Euh... Probablement, et donc euh, faire le tour un peu et voir en discrétos si on peut pas déterminer d où sont les personnes, quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de toute façon, on va resserrer un peu, euh, on va resserrer un peu le, le, le quartier, euh... Euh, et je comment, et en fait, moi, discrètement, si je peux. Euh... Essayer d'écouter aux portes ou des conneries comme ça. Quoi. Alors, euh, ouais, ça, ça va être un peu tordu quand même et tu vas te faire très vite gauler et, euh, et très mal voir hein, si tu vas écouter aux portes ouais. dans le quartier. Mais, ouais. on, va, on va en faire dans l'ordre. Euh, Lynn, euh, c'est vous. Alors, dans... Ma... euh, comment s'appelle le... Max, euh, t'as oui. eu des infos, as tes infos, t'as donné les ordres, je passe au suivant. Ça te va ou pas ou euh, eu bah, je, je voulais savoir si j'avais possibilité de faire des recherches sur le cadastre, pour savoir s'il y a des, des endroits abandonnés dans cette euh, rue. Euh... De oh, demander, ouais, bah si, ou ouais vas-y, bah, fais-moi fais ton jeu d'éducation bureaucratie à la limite. Euh... Mais, euh, euh, mais euh, pour avoir des trucs récents, le mieux, ce serait d'aller directement au. Euh, comment s'appelle à la mairie du, du coin en fait. Hein, parce que t'auras pas, pas forcément des trucs super récents euh, dans, au bureau du. On du, a, on t'a donné Ah bah du coup, au pire, je donne un Moi, je demande s'il y a moyen d'envoyer des gens au cadastre du quartier, voir s'il y a des zones abandonnées dans le coin de Zachary Street. Ouais. Enfin, euh, ok. Bah, bah, il y, y a une patrouille qui ira. Il y a une patrouille qui ira. Voilà, une patrouille de, de la métro qui va y aller. Ok. Euh, Denis, toi qui es arrivé le premier sur place euh, mm -hmm. au niveau de la, de la truc euh, du, euh, du, du, du de la camionnette, qu'est-ce que du van Qu'est-ce que vous faites Je peux vérifier discrètement le van. Ouais. En fait. bah, tu me fais un jet de scène de crime. Mmh, ouais, mais vu que dit discrètement, je n'ai pas ma mallette. Enfin, la poudre empreinte, c'est pas très discret. Bah, elle est peut-être pas ouverte non plus. Euh, la, la, non, la non, voiture, mais euh, euh... Tu, peux, tu regardes par les vitres, tu regardes vite fait en Décidément, c'est 1. Ouais, partout. bah non. Tu me le jet pour euh, Guillermont Ouais. T'as besoin de ces stats ou tu les connais sur ça 4C. Alors, euh, bah, masses, hein, 4 ça. et euh, scène de crime, c'est 5. Quand même. Ah, quand même. Ah, bah ça va mieux. Ah oui, t'as plus d'infos en effet. Que... <laughs> Alors, euh, bah déjà la première chose, euh, la première chose, c'est que il voit un truc sous la caisse, il le récupère, il le met dans, dans un petit sachet, il te le file. C'est un stylo qui porte le logo de California News. Ah. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas c'est pas anodin quand même ça. Oui. Et l'autre truc, c'est que euh, il te dit clairement que bon, il a regardé vite fait par les vitres. Euh, il pense qu'il y a des traces de fibres qui ressemblent à des traces de cordes, et surtout en fait, il y a une machette qui est dans un coin du véhicule. De ton côté, il y a d'autres pistes, hein, Shuba, qui euh, sur d'autres quartiers euh, à peu près équivalentes, hein, d'autres vannes qui ont été repérées, d'autres patrouilles qui vont voir ces vannes là aussi. Une grande ma une, a priori, c'est une grosse marque et il y a plusieurs vannes, donc ils vont tous vérifier ces vannes. Okay. Donc, on, on vous laisse sur, sur, sur celui-là, quoi. Lynn, t'arrives à, la... Linne, à ouais. ce moment-là. Ouais, bah je, pareil, je vais venir inspecter la, 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 la voiture. Euh, je touche le moteur, il est encore chaud ou pas euh, Il doit être tiède, quoi. Il est pas chaud, il est, il, est, il, a, il, a, il a déjà refroidi, il a déjà refroidi, ouais, je pense. Est-ce que, est-ce que on a des chances de, de voir si la voiture, elle s'est garée là pour changer de voiture Ou est-ce que, ou est-ce qu'on n'en a pas l'impression bah le truc c'est que euh, ce qui est sûr c'est que en fait le, en termes de stationnement c'est qu'il y a beaucoup de places qui sont toutes occupées en fait euh, pour pas dire euh, s'ils ont dû se garer ils ont s'ils ont cherché une place pour se garer ils auraient pu oui. ils ont dû chercher ouais, tu, une place tu, en tu, fait tu, tu tu fais pas un échange dans un endroit où tu as où, as, où as plein de places et où tu sais pas si tu vas pour te garer Non clairement s'ils se sont garés ici c'est pas dit que ça soit qu'ils se soient pour s'arrêter à cet endroit là euh, clairement euh, vu le nombre de places libres à savoir aucune euh, ils ont dû trouver une place donc pour se garer ok donc potentiellement en fait ils sont, sont garés loin par rapport à l'endroit où ils veulent aller ce qui voudrait dire que potentiellement ils ont pris la voiture ils ont probablement lâché les, euh, le, les prisonniers en face de l'endroit où ils sont et ils sont venus se garer là après il n'y a, a, a pas de, de un clochard qui traîne, un vieux qui traîne... Euh, Majoritairement, les gens sont soit... En fait, de toute façon, dans ce quartier, il n'y a que deux, deux catégories. Soit les gens qui sont, a priori, très bien, très propres sur eux et que, bon, on va dire, marquer sec sur leur fond, hein, soit ouais. c'est des, des Coréens qui ont un petit commerce. Ouais. C'est en gros les, 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 deux, les deux populations principales du quartier. Après, tu trouveras d'autres personnes, mais ça reste quand même les... Ah, il y a, a, voilà. a peut-être moyen de discuter quand même avec un sectaire. Tu poses avec, euh... tu leur poses, tu veux en parler à un, etc. Ouais. Je ne vais pas faire la, chose, la, la conversation en roleplay. Tu te rends compte d'une seule chose, c'est que clairement, tu parles avec lui... Il a, il a deux modes le gars. Soit il essaie de te convertir, et, et te... soit euh, il veut pas parler à des flics parce que euh, bah, tu fais pas partie de la vraie police du Christ, quoi, entre guillemets. C'est l'ordre de ouais, Babylone mais... qui essaie de prendre mais le contrôle euh, de la religion. Et du, du coup, comme disait. Euh, C'est Voltaire, je crois, qu'il a dit ça, que euh, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Donc. Euh, ah, il, si je lui propose 200 billets, 200 ah bah, euros, il est choqué. Euh, ah, il est choqué. ou une info Ah, tu le choques, le gars. Ah bah. Euh... Je sais pas, moi... Il te dit que sa, voie, sa foi vaut beaucoup plus que ça, hein <laughs> mais... Ah, sa foi, j'en doute pas, mais... mais les en infos gros, ce qui euh, choque, c'est que C'est pas... C'est euh... pour rigoler. Mais non, clairement, <laughs> tu... tu toi, en fait, clairement, comme tu fais pas partie de la congrégation, que, euh, au départ, il était poli, puis plus, plus t'insistes, tu sors l'argent, etc., euh, il, tu viens très impoli, il t'ignore... Euh, ouais, non... Pas le bienvenu, quoi T'as on... pas moyen de parler à un responsable de la congrégation le, bah, ouais, le de, mais Du il... coin. Ouais. <laughs> il va, il va me dire, il va me dire bonjour le mec, c'est. Euh, non, 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 non euh, mais je suis pas fou. Euh, je. je... <laughs> ah, faudra juste un peu de déconditionnement quand tu auras fini de te parler, c'est tout. <laughs> Est-ce qu'il y a. Euh... Il y a une église quelque part, un lieu un peu grand Il euh... euh, y en a dans le coin, t'en comptes au moins 3 ou 4 temples. Et euh... abandonnés bah, En fait, la plupart sont tous en construction, ils se sont installés depuis pas longtemps, donc ils sont tous en train de rénover, des, soit de convertir des lieux en temples, soit de les, de les rénover pour en faire de nouveaux temples. quoi. Donc il ouais, y en a plusieurs dans le coin. Ouais. Et qui pourrait abriter euh, un groupe ayant euh, fait, euh, oui, clairement, il y en a plusieurs aussi. <laughs> non, je euh... prop... moi je proposerais qu'on planque sur la voiture et puis euh, qu'on attend, hein, euh, qu'on qu jette un peu des de regards autour, autour, quoi. Mais ah euh... ouais, mais oublie pas qu'on peut peut-être faire appel à d'autres ressources. Pour... Ouais, une frappe aérienne, mais euh, bon, si on rase non. le quartier, la mer risque d'y passer. Moi, je <laughs> bah, ouais, de la je chance. Dis... Elle a de la chance de mourir aussi vite après avoir fait autant de coupes budgétaires chez les cops. Moi hein, je dis ça, je dis rien. On euh... Euh... remarque avec les coupes budgétaires qu'elle a dû faire dans l'armée, euh, c'est possible qu'il qu tire des bombes à eau après. Hein, donc, euh... <laughs> ça, ouais, ça, alors elle a pas vraiment le contrôle pas... l'armée en tant que maire de Los Angeles. C'est une Un d'eau qui tombe sur ça. la gueule, je pense que tu te sens pas bien derrière quand même. Un dame d'eau qui tombe sur une maison euh, qui se tombe sur la gueule, euh, bon. Ah faut qu'on je avant et puis là ça devient drôle. Ça prend un peu de temps par contre. Ouais. Euh Bah tu veux que j'appelle les cops en renfort et que on fasse une mission autour de Temple. Moi je dirais qu'on va déjà patrouiller, attendre un peu, ça mange pas de pain, attendre une petite heure et fouiller un peu autour quoi. Bah ça dépend, elle est peut-être en danger la mairesse. Oh bah sûrement. Oui bon c'est pas très grave. Mais après, j'espère que. Ah, ils ont de mach... la bouffe pour plein de temps, ça va aller. Euh... Le problème, c'est pas, c'est peut-être pas la bouffe, c'est peut-être plus que les machettes en fait. En tout cas, on te, on te communique l'info hein, sur le stylo et tout ça. Ok, bah ok, dac. Bah ce Parce que, que j j Alors, clairement, c'est qu'on euh... va jouer au petit pousset quoi. Ah, bah, clairement, contre, le... Le, le, le truc de passe plus important, hein, c'est-à-dire que. Euh... Euh, ton truc passe devant euh, et. Euh... Bah, je je t'aurais peut-être alors... dit de, de, de le communiquer What... au COPS pas, pas, et euh, pas au. Bah, C'est pour central, ça qu'on va te proposer un... de demander de l'aide du COPS. Euh, moi, déjà, je me renseigne sur l'état des euh, fouilles des autres véhicules. Parce bah, que la si plupart, ça créer crayon... Les quelques-uns qui, qui sont faits, euh, qui, ont été, euh, qui ont été faits, euh, alors sachant que euh, dans, dans tous les cas, ils, euh, vous avez le droit de les ouvrir, hein, les véhicules. Hein, vous avez un mandat pour, euh, qui est mis pour tous les véhicules hein, en question. Euh, si vous voulez ouvrir, euh, ça sera pas, c'est pas illégal. Et pour le moment, euh, ça a rien donné. Hein. Ok, parce que <laughs> s'ils si, si avaient tous euh, un truc un peu louche machin, ça aurait été euh, un bon piège à con, tu vois. Mais euh, en l'occurrence, non, pas là. Par euh... contre, tu remarques qu'il euh, y a, putain, je me rappelle plus de son nom. Il y a le chef de la police qui, est de... qui, a... Qui, a... qui débarque et qui écoute ce qui se passe aussi. Iron hein. Fermani euh... qui... qui est là. Et il assiste avec joie et bonheur euh, à la bonne non, ambiance. Non, pas joie et bonheur. Clairement, pas joie et bonheur. C'était c'est ça. C'était. C'était ironique par rapport à comment les gens sont plus occupés à essayer de booster leur carrière et enculer Sachant les gens. Sachant qu'ils à... euh, sont aussi en train de parler en fait de qu'est-ce qui se passe si on tombe sur eux, qu'est-ce qu'on négocie, qu'est-ce qu'on fait. Et clairement, euh, bah, Firmani, lui, serait plus pour quoi, essayer d'abord de négocier avec les ravisseurs parce qu'ils ont sûrement quelque chose à... Ils ont pas... Enfin, ils n'ont pas qu'il n'appelle le maire pour qu'ils n'appelle le maire, quoi. Ils ont sûrement quelque chose, ils veulent quelque chose derrière, quoi. Alors, remarque niveau coup de pub, tu euh... du gagnes du ouais. avec ça bah, ils veulent tourner un porno avec elle. <laughs> mais c'est juste pour te dire ce qui se passe au central. Ouais. Ok. Euh, dans les infos, on, euh, on a des gens qui font, qui enquêtent sur le lien entre la journaliste et euh, le gang. Ouais, ça a rien de. Clairement, il y a des. Tout... Tu regardes en fait, il y, y a plusieurs personnes qui enquêtent sur la journaliste. Euh... À part que, euh, à part des conflits d'intérêts, des mais c'est sur des niveaux plutôt politiques, Qu'autre chose. Euh, ou autre il y a rien qui a l'air de descendre sur Duarte ou sur ce gang ou sur des gangs plus, plus ou moins affiliés on, on, quoi. on est d'accord qu'ils ont, ont ils ont ils ont volontairement kidnappé la, la journaliste aussi non après non oui, non, non non en euh, gros euh, elle, elle, elle a collé au cul et donc ils l'ont embarqué avec et en, en, ce qui s'est passé c'est que Lane a été kidnappé le fils de la journaliste s'est précipité vers eux et donc ils ont embarqué la journaliste et le et le gamin d'accord quel âge le gamin pas marqué, euh, mais je, je vais je vais le mettre à 12-13 ans, quoi. D'accord, euh... euh y'a okay, donc... y y a, y a pas moyen de, de me faire passer pour, un, pour une personne de la secte on sait, on sait ce que prêche la secte ou pas Vite fait, ouais. Maintenant, voilà, si euh... si 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 si... Non mais Ils en gros dire vite que j'ai... Vite fait, oui euh, mais ça tiendra pas longtemps euh, vu que t'as pas, ah, mais... pas eu le temps d'étudier le truc quoi ouais mais l'idée c'est de dire qu'il y a un enfant qui est en danger tu vois et de, et de jouer sur la foi chrétienne euh, protestante pour, euh, pour l'enfant quoi et, euh, et juste demander s'ils ont vu un enfant avec un, un gros black euh, et de bah, en fait la problématique surtout qui va se poser quand es, que tu que as pu remarquer en fait quand tu parles c'est que euh, ils ont, en fait tu vois c'est qu'ils parlent en fait qu'aux gens qui connaissent quoi Ouais, si c'est les... vraiment, c'est vraiment, as vraiment une communauté de, ils parlent que à des gens qui connaissent quoi. Ça, si tu veux t'infiltrer, ça va être trop long malheureusement pour. Ouais. Même... Je comprends ce que tu veux faire, mais ça, malheureusement, ils feront pas assez confiance pour pour bouger leur cul, clairement. Eh bah ben dis donc, à quoi ça sert d'avoir la foi Par quoi, contre, hein les, 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 les Coréens du coin, eux, si as des, des, y a peut-être moyen ouais, d'avoir de, des Mais il y a des Coréens dans le coin Bah oui, c'est ce que je te dis, y a des, des, des euh... Il y, plus... y a toujours en fait des magasins coréens un peu partout en fait dans le Temple City. Ah bah euh, oui dans ce cas on va chercher des, ma... des magasins coréens. Ok euh, Denis. Oui. Et quoi Tu connais un coréen Oui je connais un coréen mais le truc c'est qu'il n'est pas dans le quartier du temple mais. Euh... Ouais, ah, la communauté potes. coréenne se, connut, se connaît bien hein, donc. Ouais après du coup je peux jouer avec ma je peux jouer de ma relation et même parler en coréen. Donc euh, s'il faut... Donc, euh, bon, ouais. As quelques... ouais tu tu fais valeur en fait que tu connais un peu leur leur truc, etc. C'est ça Tu parles en coréen toi T'es ça as oui, oui je parle en Coréen moi. Ah oui, donc tu accompagnes Lynn en fait Oui j'accompagne l'In Ah oui, ah bah les mecs ils sont encore plus... Si tu leur parles en coréen euh... et que tu as, t'es as assez respectueux, ouais ils sont, ils s'ouvrent beaucoup plus encore, ils lâchent encore plus d'infos en soi ouais bah vas-y moi c'est euh, bah, simple je hein. sers je sers de traducteur au pire oh, ouais. pour Lin, Elle vous faites euh, plusieurs voilà. échoppes euh... clairement cette histoire de black etc bah c'est euh... il y en a en fait euh... assez rapidement en fait t'es aiguillé vers euh... Bradshaw... Bradshaw street ouais. euh, sur sur un mec sur un... un coréen qui a une échoppe sur place et qui te dit lui qu'il a vu euh, bah, un groupe de effrayants en noir avec des lames accrochées partout qui était euh, accompagné de deux dames blanches et d'un garçon. Ah. Bingo. Ah oui. Et euh, vous un savez pote. où, où est-ce qu'ils sont Alors il te Allez. dit il les a vus passer dans la rue, euh, à pied. Gauche, droite, droite, gauche. Euh, il te dit dans ce dans, dans la direction dans laquelle ils sont passés. Et euh, ouais, ça lui a foutu un peu les jetons, quoi, euh, le truc. Okay. Ouais, ok, et de de, la, de, de sa boutique là, euh, on a combien de mètres de la voiture euh, en gros, tu dois être à, à, à 150-200 mètres de la voiture, qui est dans, sur une autre rue, quoi. Ouais. Et la trajectoire co 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 est, est cohérente avec le fait d'être parti du véhicule Complètement. Et alors du coup, la question, bah, on, 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 on se remet dans, dans leur pas, entre guillemets Ouais, et, et, euh, on tu... va, et On va essayer de remonter la, la rue et, et on va essayer de essayer voir euh, vous observer vous faites... un peu tous les ouais, bâtiments. Bah vous faites et... un jet euh, de perception instant flic. Pas grand chose. On... Ah J'ai augmenté euh, Moi de mon côté, du coup, si vous me communiquez l'information, je commence à, à faire converger tout le ça. Gear, ouais. Alors, alors c est, c est, c est on ça, te que... dit gentiment qu'il va falloir éviter de faire... Alors, tu, tu, fais, tu, veux, tu parles juste aux cops ou euh, à tout le euh, monde Non, juste aux cops. Ok. Comme ça, on déna... on, en... on bloque pas toute l'enquête, en fait. Ok. c'est ça, euh, Comment s'appelle euh, À ce moment-là, en fait, tu as ton chef qui te dit... Tu J en parles, en fait, euh, au coordon... au, cor... au gars qui coordonne, et tu dis que le cops va vérifier ce... cette info. Oui, ça, ça, ça évite que d'avoir euh, qu'on leur fasse pas un truc dans le dos en fait. C'est ça. Bah, ouais, bon, C'est ce que bébé. je fais. De toute façon, je comptais okay. pas vraiment, pas spécialement faire un bébé dans l'eau, mais euh, voilà. Si on peut euh, mettre un peu le copse en avant, tu vois, parce que bon, ça me aussi. On a une info. C'est un, un peu, peu coréen, ce que tout oui, le monde veut euh, faire en fait, hein, oui bah service. Voilà. <laughs> <laughs> C'est ça. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai joué reglo jusque là, du coup. Euh... Et euh, de toute façon, bah, euh, le coup, truc c'est ouais, qu'à priori il y a d'autres pistes qui viennent a, de, de venir. Il y a celle de Van Nuit qui vient de ressortir une nouvelle fois, euh, et malgré que il bah, y a Damas qui dit Mais non, mais celle-là a été écartée, euh, a priori euh, c'est juste un porno. Elle enfin, fait Ouais, mais a priori il euh, y a quand même une nana qui ressemble vachement aux mères. Euh, ça a été euh... observé sur place, la réponse est Oui, elle lui ressemble, mais pas plus. En fait, je pense que la... c'est règle 34 de l'enlèvement de la mère en fait. Mais bon. <laughs> dans, dans tous les cas, c'est un peu le bordel. Euh, et euh, oui, il envoie plusieurs cops euh, dans le coin, autour, et il vous laisse en fait d'abord faire les premières euh... constatations. Voilà, ouais. vérifier que c'est... Voilà. Du coup, on a tous fait deux en perception, en fait. Euh... Oh ouais. <laughs> Quel bel esprit de corps. Il y, y a pas de souci. Alors, euh, bah y a, en fait, il y a un lieu qui vous attire l'œil. C'est la... c'est en fait, il euh, y, euh, y a des, barrières de, de, de chantier. C'est un, un, un temple en construction et qui est une ancienne, en fait, euh, un ancien cinéma. Et clairement, a priori, euh, la construction va pas commencer avant. Euh, comment s'appelle? Vu les dates du truc, ça va pas être avant un an, un an et demi. Et euh, le truc a l'air en état, ça a l'air d'être un cinéma abandonné, quoi, euh, avec juste des barrières devant, et barrières qui ont dû être déplacées, a priori. Et du coup, le, le mec, il, il nous a dit qu'il y avait une vingtaine de... de, de... Non, il n'y a pas une vingtaine de... de Alors mecs, lui, il, il a vu un groupe, il ne les a pas comptés, mais ils étaient nombreux. Bah, il n'y a, a qu'une seule voiture Il bah, n'y a qu'un seul van, ouais. Bah, dans un van, tu mets pas 25 personnes non plus. Non, non, mais après, il y a peut-être d'autres qui sont arrivés en voiture et qui sont repartis... Hein... Oui. lui il a vu un groupe un groupe effrayant il a pas marqué un nombre donc euh... Euh, attends je vais te dire ça combien il a pu en voir je vérifie c sûr, c euh, si bah, il en a, il vu, en a euh... vu il t'a dit sur au moins euh, 5, 7 euh, enfin facile qu'il a vu pas dans la rue ouais bah ça va 5, 7 ça, ça, ça soit une shot je veux dire euh... <laughs> non, mal. tu es censé les arrêter Pour rappel eh ben, c'est ce que je vais faire, non? Ils ne bougeront plus après. Euh... Alors, les arrêter <laughs> au terme juridique, n'a pas de rapport avec les fonctions vitales. Ah merde! <laughs> mais... C'est la même chose un peu, hein? Oh. Euh, non, parce que le juge est pas très content quand on lui ramène un cadavre sur... au milieu de son tribunal pour un jugement. Eh ben, est très bon, politique, si, il très content ça. parce qu'on lui donne moins de paf. Euh, tu voilà. verras bien, c'est très très politique ce, tout ça, mais. Ouais, Dans tous les ouais. cas, euh, oh, clairement, on, 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 va, on va quand même, euh, entre guillemets, euh, finir la, 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 la fouille euh, s'il n'y a qu'un seul bâtiment qui nous... Euh, qui nous euh, voilà, Mais on, on finit la rue, quoi, histoire d'être sûr qu'il n'y en a pas après qui peut... Ouais. Et on va demander un peu du renfort, euh, bah, du Tox. Ouais. Du coup, quitte euh, euh, bah, je... euh, euh, viens, viens, viens nous rejoindre, toi. quitte tu m'appelles Kit <laughs> bah, Max Kit. Ah. Kit le lieu. Oui, bah, bah ouais, écoute, euh, voilà moi je transmets l'information que vous avez, trouvé, euh, vous avez trouvé un premier bâtiment euh, qui est en train de... d'être observé pour s'assurer s'il est intéressant ou pas. Ah, après, et, la euh... question c'est, est-ce qu'on est -ce qu essaye de, de s'infiltrer et voir un peu ce que ça donne Ou est-ce que, parce que à mon avis, si on se fait choper, euh, ça va vite tourner à la fusillade. Hein, euh, on oui, est complètement, oui. Ou alors... Euh, bah attendez on... Jack, le reste des renforts cap, ça arrive quoi. Ouais, je pense que c'est peut-être pas mal. A priori, sur, sur place, une dizaine d'individus. Ouais, ouais, comme ça, on reste, euh, reste wagouné, euh, c'est pas mal. Et... Ouais, donc. Euh, peut-être ouais, plus. Mais... Voilà. Ok. Alors, écoute. Quoi euh, moi, je remonte des euh, informations disant qu'on a trouvé euh, des bâtiments potentiellement intéressants, que le COP sont en train de fouiller. Euh. Qu'on tient au courant si quoi que ce soit change. Euh, de mon côté, euh, alors il euh, y a, y a le forcément. chef de la police qui fait euh, des bâtiments intéressants. Vous pouvez préciser un peu euh, parce que euh, vous êtes vachement évasif depuis euh, depuis euh, que vous êtes sur ce, le van que vous avez trouvé euh, qui avait l'air intéressant. Pas du tout. Je suis pas <laughs> évasif. Je suis prudent pour éviter une charge de policière qui veut des notes qui euh, pleurer okay, des informations. Ouais, ok. Donc tu vas me donner les infos là. Euh, il te, il... Bah, -ce que tu voilà c'est. Euh... Le, on a trouvé un van dans lequel. Euh... Attends, c'était quoi les éléments euh... Le stylo on a, trou... on, a, on a trouvé un van. Euh... Oui, non, mais justement, pas trop d'éléments à charge, peut-être. Je vais essayer ah, peu... euh, À mon avis, là, tu ferais mieux de dire la vérité. Parce ouais, là, on, ouais. a, on, a déjà, on a déjà tout, nous. Hein. On a... Les renforts en place du COPS vont arriver, donc on, on les baisera niveau, niveau vitesse, quoi. Ah, bon, tant pis. Bah, du coup, on a trouvé un, un van. Euh, à côté du van, il y avait un stylo de la chaîne de, de télévision. Mais euh, ça fait un peu léger comme preuve. Du coup, euh, ils ont enquêté dans, dans le coin. Ils ont parlé à des, euh, à des marchands euh, coréens qui, leur ont, donné, euh, qui leur ont dû avoir vu un groupe. Qui, il, il les a effrayés. Et en suivant à peu près la piste, ils ont trouvé un, un, un ancien cinéma qui à l'heure actuelle euh, en attente de réparation et de transformation en temple. Et ils, vous attend... ils attendaient le reste des renforts COPS pour aller euh, fureter dedans, voir si c'est bien un... Endroit, un endroit intéressant et euh, continuer à chercher aussi d'autres endroits intéressants. Ok. Qui, bah, globalement, dit, euh, dans, dans tous les cas, votre euh, tête est intéressante. Donc euh, clairement, euh, ils euh, il demandent au SWAT en fait, d'envoyer une unité aussi dans le coin en, en renfort si besoin. Ouais, on prend. On, on prend. C'est votre point. Parce que le SWAT, c'est bien. Le COP, c'est le sweat. on est potes et on est fait pour bosser ensemble. J'ai pas fait une remarque sur le SAD. Bah pour le coup, ça se passe plutôt bien là, avec <laughs> le SAD. Hein, ah mais... euh, c'est parce... plutôt étonnant, en fait, pour, pour, pour toi. Donc bon. T'as pas l'impression que Damask essaie de se tirer la couverture, en fait. Hein. Il a l'air de faire son boulot, en fait. Surtout... Ce qui est à peu près la première fois qu'on voit ne pas le faire, Enfin, globalement. En même temps, d'habitude, vous, vous, vous voyez pas tous les jours non plus, hein. Oui, mais le problème, euh, c'est qu'à chaque que fois il... qu'on l'a vu, il se comportait comme un connard, du coup. Ah bah, de toute façon, euh, s'il peut vous défoncer, il le fera, hein, ça c'est sûr, mais. Euh... <laughs> Tout ça parce qu'il a été refusé parce qu'il était inapte, Moche. Pas inapte, c'est pas parce qu'il est inapte. <laughs> Inepte à la limite, bon, bon d'accord, hein, je dis pas, il est au euh, Donc, sur place, les trois qui sont sur place. Moi, je propose d'avoir. On a. Si on attend trop, ça va être la merde. Si on oui, y va, si va avec chauffer, trois, et qu'on se fait va être la merde. Euh, Est-ce qu'il y a des points d'observation euh... ou pas du tout Tu as des bâtiments en face, mais ils font à peu près la même taille, ils sont plus petits, donc tu peux quand même essayer de voir s'il y a moyen de voir en hauteur. Après, hein, si c'est euh, plein de pièces fermées. Euh, tu... hein. C'est un peu l'idée, c'est que. Il ouais. n'y a, a pas de fenêtre quoi. C'est un cinéma. Bon ben... Bah... on y va discrètement dedans Ouais moi je serais quand même tenté... Ouais, de... Euh moi ah, je conseillerais ah, quand oh, même oh, d'attendre oh, le reste des, des cops bah, qui doivent débarquer. Combien de temps on doit attendre pour avoir au moins un duo de cops qui... Ah, quelques non. quelques minutes hein, même pas. Hein. De toute façon ça... Ouais bon on va pas peut du... faire ça en fait. On va peut-être au moins avoir à attendre d'avoir au moins deux mecs. De, de, voilà, d'avoir une équipe. Euh... Euh, la, la, la question, le truc c'est que vous demandez que. Euh... Alors, il y a, y, a, y a deux choses. Le van, est-ce que vous demandez qu'il y ait une équipe qui reste à côté du van Euh. Il y a une, é... ouais. Je demande à une équipe du cops de se, de, de se mettre en embuscade à côté du van, au cas où il tenterait de s'enfuir. Ok. Ça, Ou aussi ça me... au cas où, des observateurs, ouais, mais... machin, tout ça. Enfin, ouais. C'est ça. Dans tous les cas, c'est juste pour savoir. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on te demande, c'est... Euh, milieu... En fait, euh, est-ce qu'on arrive sur une lente, etc. Est-ce qu'on se gare loin mmh. ah, qu'on se gare près, on vient à pied. Ouais, enfin, là, je... C'est voilà. à vous de, loin, de, de dire. Forcément. En fait, c'est vous qui avez le... Oui, mais en gros, ils vont venir, la plupart vont venir avec des voitures marquées police, hein, parce que c'est les voitures qu'ils ont à ce moment-là. Euh, ouais, bah, qui oui, à 100 qui mètres. De se voiture, gare loin, ouais, général, se garent loin, et euh, du coup, euh, euh, qu'ils fassent attention, parce que le quartier c'est compliqué de se garer, et du coup, euh, au mieux qu'ils viennent à pied. Maintenant, euh, à, la, à la limite, euh, qu'en qu en fait, ils ne peuvent pas euh, séparer les paires. Genre, il euh, y en a un qui vient et l'autre il va garder la voiture, ça va lui je suis complètement. C'est pas, pas, pas le problème. Euh, C'était en fait savoir s'il arrivait et il bloquait la rue euh, avec sirène ou pas en fait. Hein. C'était ça. Euh, non, bah... mais, mais évidemment, euh, fermer le quartier c'est peut-être pas déconnant. Euh, après, mais genre ce la euh, rue. T'as ton lieutenant Chouba qui dit euh, s'il faut fermer le quartier, euh, il, en, il envoie une équipe de cops à la mairie. Euh, parce que c'est toujours un problème ce quartier. Et euh, ouais. euh, pour expliquer qu'il euh, voilà, faut fermer le quartier parce qu'on a potentiellement et... une prise d'otage et qu'on ne voudrait pas que ça s'échappe. Du coup, euh, moi je voudrais faire oui, le tour du cinéma. Mais il faut que l'équipe soit vraiment très prudente au niveau de la communication. parce que, oui, mais En même temps, euh, il va choisir faut... quel cop s'il envoie en fait. Oui, non, mais il ne faut, faut pas non plus que les infos se... circulent trop en fait. Oui, mais c'est ça. Mais ouais. C'est pour ça qu'il va choisir quel cop s'il envoie. Ça fait. Il va envoyer bon tuyau. Il va envoyer bombe en mode clodo. Non. Personne ne verra venir. Euh, Lynn Ouais, euh, il ouais. y a moyen de faire le tour du cinéma, voir les entrées-sorties qu'il y a. Enfin, les entrées-sorties. Yep. Sur enfin, Ils euh, surveillent peut-être, hein, faut faire gaffe. Oui, pour bah... ça que je. Vous... Ouais, je vais vous demandez... ca... La, suis la roco grande... extérieure, vous, vous me faites tous hein, je... ceux qui veulent le faire, c'est coordination, discrétion, difficulté, euh, bah suivant la... leur jet de perception en fait. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est pas trop gros quoi. Euh... <laughs> Ça Attends, va attention. Parfait. Hein. Ça parfait. va euh... <laughs> Parfait. Bon voilà. alors. Voilà, parfait. parfait. Et je passe. Ouais. <laughs> en même temps c'est zéro hein. <laughs> Oui eh Ben oui, mais bon, je passe quand même. Hein. Putain, et oh, t'as changé quoi au système de D dé... <laughs> Parce que le niveau des G soit pas l'air exceptionnel en fait. Ouais j'ai rien hein. changé du tout, mais c'est juste que... Euh, Laisse-moi faire des, des jets de, de, de tir euh, à l'arme à feu. Euh, ils vont être bien légers. T'inquiète, <laughs> ils vont être bien. <laughs> Laisse-moi toucher à Alors, la configuration du cinéma, le hall d'entrée euh, donne sur la rue Sud au sud est fermé euh, par euh, une façade en bois représentant euh, comment s'appelle un temple. Euh... Là, cette, cette, cette partie en bois, en fait, a l'air d'avoir été déplacée. C'est-à-dire que ça, ça avait l'air d'être cloué ou, euh, ou bloqué, mais euh, a priori, euh, au vu du mouvement sur place euh, elle a dû être bougée. Euh, à l Après, il y a, a d'autres portes, mais c'est des, euh, des portes coups de feu, en fait, donc euh, qui souffrent que de... Euh, il doit avoir deux, deux salles... Euh, non, il y a une salle, donc il doit y avoir deux, deux portes coupées, en fait. Qui donnent dans la salle, euh, qui doivent donner, euh, vous supposez, dans la salle du cinéma en fait. Ce serait pas mal d'avoir des gens coup, qui soient rentrés euh, bah, va... là, ou soit accueillent des gens qui vont sortir par là. Ou qui vont tenter un, un assaut non, par là. Non mais oui, euh... on, va, on, va, on va avoir des flics où chaque, chaque porte est entrée, hein, ça c'est clair. Qui ouais. les supervise et les surveille et se mettent à, ouais, et... à, à la Moi je dis, euh, on attend on, on d'avoir attend euh, l'équipe du SWAT et puis. Euh, Hein. Que le soit arrive, hein, euh... ouais, oui. On passe par le bois, soit arrive, On passe par le bois, quoi, par la porte en bois, et puis voilà. On... Oui, mais après, et il faut parcourir tout les, les bâtiment, et euh, du coup, c'est ça. Il faut peut-être euh, rentrer un peu de partout en même temps, tu vois, histoire de choper un peu dans toutes les salles euh, en <laughs> même temps, quoi. Alors le, ba... ouais. le, le cinéma est collé au... à d'autres bâtiments. Il hein. y a des bâtiments oh, qui sont collés au cinéma. les enculés ont fait des trous entre les bâtiments. Ouais. Hum. Rappelez-vous, rappelez-vous Norwalk. C'était Norwalk Bref, l'autre quartier où on a failli cramer, machin, tout ça. Alors, euh, c'est tac. Un enfin, couloir avec ça. Ah, vous voyez euh, comment ça s'appelle À l'arrière du cinéma, il y a une serelle extérieure qui donne vers le bâtiment d'à côté. Bon, bah, des mecs en haut. Sérieux Ouais. <laughs> Bah, c'est euh, sorti. c'est pas une passerelle, hein, c'est carrément un couloir extérieur. Hein, c'est marqué. Et un couloir extérieur qui, euh, qui fait la jonction en fait entre le cinéma et le bâtiment d'à côté. Pourquoi parce que c'est extérieur, vous le voyez quoi. Ah mais le bâtiment d'à côté, il euh, euh, y a quoi dedans C'est euh, du résidentiel. Oh putain. Et c'est à quelle hauteur le, le couloir en hauteur là oh, je dirais que ça doit être. Au... Un peu ex... pour escalader quoi. C'est accessible par là c'est à l'arrière que tu le vois en fait le, le oui non le, mais le je veux dire c'est accessible par en bas d'une manière ou d'une autre euh, avec, un, avec un avec un grappin ouais mais sinon non <laughs> soit tu en as des grappins oui oui, bien sûr mais euh, et il euh, y a pas moyen de trouver des escaliers à l'intérieur de la résidence euh, pour se filouter ah bah ça après euh, si tu peux aller voir dans la résidence et tout euh... ouais bah oui alors tu rentres, boum, le jeu de discrétion je garde le même. Euh, bah en fait ouais il y a des escaliers, tu, tu tombes en fait sur la, la porte qui doit donner sur le couloir et tu vois que la porte en fait en question, euh, bah il y a une espèce de grosse poutre en, euh, en bois qui a été mise pour, euh, pour pas qu'on l'ouvre en fait. Euh, elle est de votre côté la poutre. D'accord. Ok, il y a moyen d'enlever de la poutre. Ouais ouais, clairement avec un Denis, c'est pas trop un problème. Hein oui, bon bonjour. bah Denis on enlève la poutre. Okay. N'oubliez pas, quand vous sortez, prenez votre multitool, le Denis capable de tout. Parce que là, le truc, c'est que si on si on passe par là, on a, a peut-être moyen de les, de les surprendre en fait. Oui, c'est euh... ça. Et euh, par contre, on va mettre aussi un flic à cet endroit-là, hein, pour euh, parce que s'ils sortent au final. Euh... Enfin, à moins qu'il y ait un moyen de fermer la porte derrière nous et être certain qu'on puisse passer pour sortir par là. Ouais, avec un Denis, pas de problème. Non. Ouais, mais je euh, clairement tout seul, de l'extérieur, enfin... tu ouvres la porte, tu regardes de l'extérieur, il euh, n'y a pas de poignée, c'est-à-dire que pour la, la faire rentrer, si l'espèce de, 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 de cale qu'ils ont mis pour la fermer, il faut la faire sauter à la force, quoi, de l'autre côté. Alors euh, s'ils ouais. sont bien motivés et bien stock... Ou sous l'emprise de psychotropes bien puissants, il y a possibilité. Mais faut faut. faut ah, C'est vrai qu'il y a ça y a aussi. Les... C'est vrai qu'il y a ça. Non mais du coup, on va attendre que le SWAT arrive et qu'on soit euh, se fait comme il faut parce que un, ils sont peut-être nombreux et deux, ils sont peut-être sous produits euh, qui fait que. Euh... Euh, on... Voilà. Trois, le but n'est pas non plus de les faire abattre les, les otages. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tout le monde est discret. <laughs> bah oui, 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 mais oui, mais clairement. Mais euh, du coup. Euh, alors... euh, les... Euh, Max, est-ce que tu restes au PC ou est-ce que tu vas sur place avec eux euh... Effectivement, il n'y a, à... a plus rien à faire au PC. Euh... Ouais, mais en fait, euh, le truc, c'est que le temps que j'arrive, euh, ça fait attendre plus. plus. C'est ça euh, qui m'embête. Pas, euh... pas forcément entre le SWAT qui doit faire, le, le, le fait que la, la rue soit bouclée, etc. Si, comme une, euh, Lynn a dit qu'elle doit attendre le SWAT, elle veut attendre le SWAT, euh, tu peux arriver à temps. Par les joies du, euh, du continuum espace-temps d'un jeu de rôle. Par les joies que, de je considérais que t'étais déjà parti depuis longtemps, moi, mais. Euh, mais voilà. Bah non, voilà, pour l'instant, je centralisais encore. Enfin, euh, je dispatchais plutôt les cops. C'est toi, en fait, c'est je te demande, en fait, est-ce que tu veux être Oui, présent bon, ou bah, pas, après, en fait oui, intervenir, oui. oui sans ah, donc, aller. tu t as pris ta voiture à un moment, euh, t'es sûrement bah, parti avec deux autres cops. Euh... Et bim 10-18 <laughs> bah C'est <laughs> le 10-18 ça <laughs> Alors tu as un rhinocéros énervé sur l'autoroute, il a pris ta voiture pour qu'est-ce que tu fais euh... Il <laughs> ah, y a un camion derrière toi qui te bloque <laughs> Qu'est-ce que tu fais non, okay. je, je transforme mon pare-buf sur pare-rhinocéros. Je, je fais de l'escrime avec mon pare-choc contre la corne du rhinocéros. Euh... euh clairement... Oui. Euh bon, t'arrives sur place, il y a... Alors. Un fusil à pompe. Non, tu prends ton sniper. Ouais, mais dans un cinéma, c'est vachement moins pratique quand même. Ça y en ouais est... mais t'as pas le temps d'aller récupérer ton fusil à pompe. <laughs> fusil à pompe. Surtout que t'en as jamais demandé jusque-là. En fait. Ah si euh, deux as, fois T'as pas le temps de remplir tous les papiers, etc. là pour le coup. Euh... Autant, euh, tu m'auras dit, tu prends ton fusil sniper, euh, bah t'as ouais, l'habitude, bon, ok, mais... La limite, je prends mon fusil sniper, à la limite, mais... Euh... Quoique, dans la salle en elle-même, s'ils sont au milieu, euh, au milieu de la salle et que la salle est un peu grande, le sniper c'est pas mal aussi pour... Euh... Bon, dans tous les cas, sur place, il y a vous, euh, donc vous 4, il y a quatre euh, autres cops, et euh, s'il y a du, du SWAT. Euh, bah ouais. du coup, on, on valide que c'est bien là, accessoirement hein. Ouais, non, mais de toute façon. Euh, je pense qu'ils s'en sont depuis mais. Euh... On, 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 on s'en fout, en fait, à ce niveau-là. le truc, c'est que si c'est bien là, euh, la question, c'est que là, ce qu'ils vous disent, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les, les, les huiles aimeraient qu'on négocie. Prendre contact et négocier. Hein ce ils aimeraient. Hein bah, ils veulent, en fait, ils veulent éviter l'intervention, ils vous disent, hein, c'est le gars du SWAT qui est là, euh, qui vous dit, ils veulent éviter l'intervention euh, directe euh, pour négocier et récupérer le maire. Ce qui se comprend sur le papier, euh, maintenant faut voir si on arrive à établir le contact avec eux sans qu'ils nous tirent dessus. Alors on vous demande hein, si vous avez déjà établi le contact ou pas, si vous savez combien non. ils sont. Non on sait pas Enfin, on pense qu'ils sont autour d'une dizaine ils sont dans ce le cinéma, il y a une entrée là, derrière les portes de il y en a une derrière, voilà, il y a une machin, etc. Tu fais le tour des entrées. Moi j'aurais tendance à dire, on donne l'assaut de suite, on les vend voir sur place, c'est réglé. Question J'y pense que maintenant, mais euh, vu qu'on a fait le, le déplacement en scénarium, euh, je ne sais pas si on peut retrouver au PDL là-dessus. Est-ce que en partant du bon. commissariat, je peux demander euh, aux cops du cadastre s'ils peuvent nous trouver des infos mort. sur le cinéma okay. bon. Bon. Les tu, mecs tu, qui tu... se sont, euh, cherche pas, pas des cops. Ce qu'on était envoyé, euh, c'est déjà d'abord de des gens de la métro au début. Oui. Euh, ils se sont eu un truc et les cops qui doivent prendre la place, euh, ils viennent d'arriver et euh, t'auras pas les infos tout de suite. Euh, au départ, bah, ils étaient là pour pour savoir quels étaient les différents lieux, les machins, etc. Euh, et tout. Euh, puis un lieu en particulier. Et en fait, on les fait pourrir l'info têt. L'info c'est qu que euh, le, les, les gens de, le, du, du groupe de la religieux euh, font tout pour, pour emmerder les flics. Est-ce qu'on peut savoir si. Euh, si Est-ce qu'on peut obtenir une. Euh, on appelle ça Foreuse. Pour faire des trous euh, tous les euh, 10 degrés par rapport au cinéma, pour vérifier qu'il n'y a pas de tunnel. <laughs> ça... Alors, non, parce que c'est trop <laughs> ça fait trop de bruit et vous allez vous faire gauler. <laughs> oh là là, euh, ils sont pas... Ouais, mais c'était pour assurer qu'il n'y avait pas de tunnel pour s'enfuir en dessous, tu vois. Pas Alors, des codes... bon, le mec du, du SWAT, il te dit de toute façon, actuellement, vous n'êtes pas sûr qu'elle est là. Non, fais un clin d'œil bah... en disant ça. Non mais on a quand même le fort pension quand même, hein. Je... voilà. Ouais, mais, euh, mais vous ne l'avez pas constaté de visu, etc. Non. Si... vous avez même vous êtes même pas sûr qu'il y ait des gangers, donc euh, si on fait un assaut, on sera... On sera... On sera... On sera fixé. Oui mais bon, si bien. on est sûr que la mer soit là et que c'est les bons gangers, ce qu'on la mer, etc., on est censé commencer le dialogue. Est-ce si que vous n'êtes pas sûr à 100% on va commencer le dialogue euh, avec des gens qu'on ne sait même pas si c'est bien les bons. Pour faire simple, pour l'instant, pour établir le dialogue, il faut qu'on rentre en contact avec eux d'une manière ou d'une autre. Moi, moi, je, moi, je serais pour, ah, pour qu'on s'infiltre à l'intérieur euh, via le, 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 le tunnel, là, fin, le couloir euh, suspendu, oh, et ouais. euh, qu'on s'approche le plus possible, un petit groupe seulement, évidemment, et euh, voilà, si on arrive à, à identifier euh, et que la situation est un petit peu trop compliquée pour lancer un assaut, on, là on établit le contact. Euh, si la situation est claire et qu'il n'y a que quelques adversaires à, à neutraliser pour, euh, pour protéger la mer, et, euh, et du coup on lance l'assaut complet, et vous vous attaquez euh, par le sol en fait, hein, par les autres entrées quoi. Et nous on sécurisera la mer euh, pendant ce temps. Ok. Voilà. Bon. Euh, dans tous les cas, euh, il, là, il te dit, on a un gars là qui vient de. de il a, tu vois qu'ils ont ouvert euh, une plaque, euh, on, a, on, a, on a installé un téléphone pour euh, appeler à l'intérieur s'ils ont un téléphone de brancher. Ok. Oui. oui Jamais. Oui, bah, euh, on, ce, ce que je. Denis, toi qui as euh, beaucoup en, dex... en discrétion. Ouais. On va y aller. Oui. On va y aller tous les deux, on regarde un peu ce qui se passe. Voilà. Et on fait ce qu'on a dit, si, si c'est trop chelou, euh, qu'il y a trop d'adversaires, euh, ouais. c'est compliqué, on fait rien et on établit contact. Mm -hmm. Et s'il euh, si y a moyen de, 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 de récupérer la mer et de lancer l'assaut, bah, on fait ça. Ok. Pour avoir un peu une idée vite fait de, euh, de comment euh, J'ai juste une question avant de commencer quoi que ce soit. Quand t'as vérifié la porte d'entrée du tunnel, enfin euh, du tunnel du truc du, du euh, extérieur euh, en haut, mais t'as pas été jusqu'au cinéma voir la porte de, du côté du cinéma. D'accord. Ok. Oh non. Non. Oh non, Bah non parce que je pensais pas qu'il y en avait en fait. C4 mais, euh... Il y en a une. Euh... Bah de toute façon, euh, c'est du C 4 Denis euh... il est là pour ça. Ouais, je suis là pour tout en fait. Tu vois, je suis. Ah, tu tu, tu, tu désamorces, toi. Je ouais, propose ouais, qu'on t'appelle Leatherman, en fait. Voilà, donc du coup on va y aller. Et puis euh, on s'approche okay. tout doucement. Et puis, euh... Alors euh, la disposition des, des, des forces c'est quoi, vous pouvez me dire J'aurais tendance à dire... Euh, ben bah, Denis et moi euh, dans le couloir, euh, les ouais. autres cops euh, devant la plus petite entrée. Ouais. et euh, au sol et le, le swat devant la grosse entrée quoi et moi je fais quoi du coup et bien toi tu te mets en position en hauteur et tu essayes d'avoir un angle sur les deux rues ou alors tu accompagnes euh, les cops ouais, voilà. ou voilà ou ça ou euh, tu... bah non il vous accompagne vous parce que vous êtes en hauteur vous allez arriver sur une position en hauteur potentiellement ouais mais le bah truc ouais. c'est que je sais pas s'il a beaucoup en discrétion en fait enfin ça dépend ah, du coup tu nous accompagnes en fait euh, bah il, il peut je il... quoi. Ouais, bah après il peut rester derrière et quand il y a besoin il court vers vous. Hein. Oui, éventuellement. Je sais pas, ça dépend. Moi je propose, après euh, Max c'est toi qui dis. Non, je pas déconne. Mais... Ça, ça me paraît pas mal comme idée, mais c'est aussi ce que j'avais okay. en tête. Donc les quatre comme Guillermo, et, euh... tout, vous, vous, vous quatre, vous passez par ce couloir, par ce couloir extérieur euh, et il euh, y en a deux qui vont passer devant et les autres vont le rejoindre s'il y a besoin. Ouais. ouais. Ok. Et la question c'est que si on, fait, si on est bloqué à la première porte et que c'est fermé, euh, bon. Parce pas, ouvrir, euh, On va voir le, le SWAT eux ce qu'ils font alors tu veux qu'ils soient à l'avant ou sur les, les portes de secours contre, euh, euh... Les, les trucs les plus larges ok donc la porte avant par contre les gars du cops piquent des explosifs au SWAT pour euh, ils préparent en fait à faire sauter les portes de sécu... de, ouais. de sortie de secours si besoin est d'accord du cops alias entrée en force <laughs> c'est pas... Faut... 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 pas eux qui ont les, les explosifs, hein, c'est le SWAT. <laughs> J'ai quel... toujours trouvé que le, sco... le scope, ça a un petit côté SWAT de secours quand même. Genre, peu... oui, c'est un peu ça, bah, On est un peu tous les services de secours, hein, tu sais. Euh... Ouais, on... on peut être le SAT de secours, on peut être euh... hein euh, l'Hydra de secours. Ok, euh, la porte là en haut, pour vous. Ouais. De toute façon, on... c'est vous qui donnez l'assaut euh, général, tant que vous donnez pas d'ordre, les autres avanceront pas. Ouais, le mot-clé c'est... Oh, on en <laughs> <laughs> Ok. Pour lancer l'assaut. Euh, la porte en haut, elle est, elle est à moitié soudée, mais clairement, il euh, y a quand même moyen... Euh, en fait, euh, à la regarder, on sait qu'il y a moyen de la bouger. Par contre, euh, y aller discrètement pour la bouger, celle-là, c'est moyen. Grosse porte en métal, euh, qui a des points de soudure. En fait, il va falloir faire sauter les points de soudure pour l'ouvrir. quoi. Alors, ouais. je considère que vous avez ce qu'il faut, hein, un bélier ou euh, un truc, mais euh, ouais, c'est... Le côté non, Sneaky bitch, c'est pas génial avec le bélier. Je prends une lime en fait, so... Une lime Une putain de lime Alors, en fait, le truc, c'est soit vous allez chercher un, un chalumeau pour faire sauter les points de soudure doucement, mais s'il y a quelqu'un qui est derrière la porte, mais il va le voir, <laughs> soit que... euh, vous passez par une autre porte. Il <laughs> que... y, y, y a une vitre, il y, y a un trou de serrure, il y a quelque chose qui nous permet de voir ce qu'il y a un peu de l'autre côté, vite fait euh, ouais, il doit y avoir... Oui, avoir un trou de serrure avec. Euh, bah, il y a plus de barrières, donc tu vois dedans en fait. Ok. Et bah non, vois le... Le... tu vois rien, c'est tout noir. Le Cops, ils ont pas des des fibrocams, là, tu sais, les caméras pour hein. regarder derrière les murs. Si, hein. bah, le soit aussi doit en avoir, donc à la limite, ouais, vous regardez avec ça, je suppose. Bah, ouais, ouais, on, ouais, on ouais, leur on demande. On avec aussi, hein. Ouais, bah, clairement, il n'y a rien dans la pièce. Hein. La pièce a l'air vide et euh, désaffectée euh, et fermée. Vas-y, ah. on ouvre tout. Ouais. Chalumeau. Ok, chalumeau. Ça prend du un peu de temps. Ouais, bon. On a pas Mais puissé, vous non. ouvrez la porte doucement, sans trop faire de bruit. Ouais. On, on a pris de l'huile aussi éventuellement, tu vois, pour les gonds et tout. Ouais. <laughs> on est bien. Ok. Je, je euh, Vous êtes dans une pièce. Vous êtes au troisième étage. Vous faites quoi Ça a l'air d'être euh, un ancien bureau. On avance doucement. Moi devant, évidemment. Euh, ouais. et en entendant bien le derrière. Ouais. Ok, les deux autres, vous restez dans cette pièce-là ou vous avancez avec eux? Euh, moi je pense que je vais avancer en règle générale avec un temps de retard en fait. Parce, Parce que c'est tant qu'ils valide en fait. Ouais. Parce au on, de la porte, on surveille on surveille les abords histoire d'être sûr mais euh... Ok. Et euh, tant qu'ils vous disent pas d'avancer, vous avancez pas quoi. Ouais. ouais. Enfin, tant qu le leur scorpion est dans, est dans le nid. Le scorpion est dans okay. la chaussure. Hein. Vous me faites tous les deux un jet de discrétion euh, Qu'avancez. Euh, difficulté 1. Pas de soucis hein. euh, Pas de souci. Vous arrivez En fait le couloir va... Alors il y a plusieurs portes Dans le couloir La plupart en fait Donnent soit Elles sont, Elles sont entre ouvertes Voire ouvertes complètement Et ça Et a priori ça... Et euh, derrière C'est soit des, des toilettes Soit des débarras enfin, Rien qui a Qu l'air euh, habité On entend du bruit ou pas Au loin euh, bah justement en fait euh, au bout du couloir en fait ça donne sur une, une grande salle qui est en priori celle de l'entrée où il y a euh, le un bar euh, comment s'appelle l'accueil etc bon désaffecté euh, où il n'y a plus rien hein. et il euh, bah, y a deux il euh, y a deux Haïtiens en fait qui sont euh, simples, qui sont en fait planqués derrière le comptoir euh, enfin qui sont assis à une chaise derrière le comptoir et qui euh, qui regardent la porte en fait euh, leurs armes euh, bah, en bandoulière en fait je ah, vais le signaler à la radio, vite fait. Ah ouais. ouais. Bon voilà. Vous vous êtes sur un palier avec un escalier euh, qui descend, euh, avec, un, avec un palier euh, qui descend de, dans cette salle. Ok. Donc Et vous en êtes fait, sur. Si on descend, un on doit se voir violent quoi. C'est ça. Par contre, le palier, vous arrivez euh, en fait face au palier, vous êtes à droite. Vous arrivez, ça encore à de droite. Il est supposé que peut-être sur la gauche il y a un, un couloir identique à celui que vous avez euh, fait. Voilà. Je pense qu'en fait il faut voir une des salles principales. Je pense que c'est là-dedans quoi. Ouais, ben on va, va peut-être récupérer le matos de, de, du fat, du SWAT pour euh, peut-être je, je, jeter un peu mieux, non? Ouais. Ouais, ouais, bah du coup on le, on le déploie et puis on, on regarde vite fait euh, si on a une possibilité de voir. Euh... Bon, les gens ont fait. Alors clairement dans la dans la sincèrement, salle Sincèrement la salle... si on veut avoir une très bonne vue sur la salle il faut aller euh, là où il y a le projecteur. C'est pas faux. Pas faux mais je suis pas certain que le projecteur soit. Euh... Non mais est il, il, est, il, est plus, il est plus présent mais il y a toujours les fenêtres il y a toujours les, les trucs. Oui non dans la non, salle. Mais, non mais ce que je veux dire c'est que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir le chemin que vont prendre les swat en fait et donc du coup si là on... les swat ils vont rentrer par là ils vont devoir se fighter les deux gars ensuite ils vont où et donc si on va directement à, à, au projecteur et qu'on va dans la salle J imagine déjà, on ça sait pas... ce dialogue en langage des signes pour pas faire de bruit <laughs> voilà on, on, on sait pas si si euh, on sait pas si euh, si les mecs sont vraiment dans la salle de dans la salle de cinéma ils sont peut-être dans un salon à côté tu vois et donc, euh, moi, euh, je... Si... Non, personnellement, moi pour discuter de tout ça, je l'écris euh, sur, euh, sur un papier ou sur. Euh... Oui, non, mais il n'y a pas de souci, euh, je considère ouais. que vous ne faites pas de bruit. Ouais, vous... Euh, vous avez soit, de toute façon, soit vous retournez en arrière ouais, ouais. pour parler s'il faut vraiment parler, euh, soit vous faites des signes ou vous, allez, euh... ah, oui, vous oui. écrivez des SMS. Hein, vous allez, mais va, ouais, euh... Non, mais sinon, Obi, je comprends ce que tu veux dire, mais. Euh... Non, on a le matos sur nous, on n'a pas bougé, on le déploie, on regarde vite fait si on a un si on peu a, on a plus d'infos. Parce euh. que moi l'idéal pour moi, ça serait de descendre au niveau des, des, des du, de gars, euh, les assommer et voir après. Mais le problème c'est qu'on va, on va se faire choper si on fait ça. Donc, euh, ça le, plus, et... le plus sûr c'est, on est, on est au bord de l'escalier, on, on tend la petite fibre, on, est, on, on se met au dessus d'eux, comme ça ils nous verront pas. Euh, voire au dessus un peu derrière peut-être si on peut et, euh, et ouais. on, on déploie le truc et puis on regarde ça nous prend 3 minutes et après on avise quoi ouais ok pas de problème ok vous déployez le truc je vous le fais rapide hein. en bas ce que vous voyez sur la, la toujours la, la salle d'accueil bon il y a les deux gars qui sont derrière un comptoir il euh, y, y a trois autres portes dans cette salle euh, l'une d'entre elles clairement ça doit être les toilettes et euh, mmh. de l'extérieur il y avait fenêtre ni rien donc euh, ça doit être que ouais. c'est une voie sans issue. Et les, les en fait après c'est deux, euh, c'est deux fois deux portes battantes qui doivent donner en fait sur la salle de cinéma en fait. Okay. Euh, par ouais. contre il y a pas mal d'obstacles, à savoir des, des sièges qui ont été enlevés, qui ont été déposés, euh, déposés devant une porte, etc. Ouais il y a des voilà. mini barricades. Ok donc c'est voilà. déjà une bonne info. On recule. On... Ça, euh, en... euh, à pied tu pas, tu t'as pas de souci pour passer, hein. c'est juste y ouais. a une porte qui est condamnée sur les deux quoi. Alors, moi, okay. je prendrais des photos de ça et je les enverrais au SWAT, en fait. C'est ce qui est, qu est fait, qu hein. fait. Ah, C'est transmis, ça. Hein. Je savais pas qu'on pouvait prendre des photos avec ça, mais OK. Euh, je sais pas si on peut prendre des photos avec ça, mais dans tous les cas, les infos sont transmises au SWAT à côté. Ça, oui, c'était voilà, le but ça. en même temps. Et, et, et ben, du coup, on se replie et on va euh, on va essayer de trouver, effectivement, la salle des projecteurs, ça semble pas déconnant Ouais. Alors, bah, vous finissez par tomber dessus, euh, dans, toujours dans ce couloir, dans, dans, sur le palier où vous êtes, le dernier. Vous tombez sur la table de projecteur, bon, il n'y a plus rien, à part euh, la trappe pour passer la, la, la euh, le gros projecteur. Ouais. Euh, ouais. Bah, ça donne sur euh, ouais, le, le cinéma. Euh, a priori, bon, il reste quelques sièges, mais plus grand chose. Il euh, y a les rideaux du cinéma qui sont tirés. Les rideaux qui sont normalement devant l'écran. Ouais. ouais. Euh, et euh, vous entendez que ça cause. Alors de là où vous êtes, clairement, vous entendez pas bien ce qui se dit, euh, mais vous entendez clairement qu'il y, y a des voix féminines, des voix masculines. Ça n'a pas l'air d'être la grosse joie. Ok. Donc ouais. si je comprends bien, les portes en bois, c'est ce qui donne sur euh, sur la salle d'entrée, l'accueil, ouais. et les autres portes, c'est ce qui donne sur, sur la pièce là, en fait, sur la pièce directe des. Oh ouais. euh, des euh... Ok. Donc peut-être que ça vaut peut-être plus le coup qui rentre directement dans la salle de ciné d'un coup, on donne l'assaut. Mmh. Comme ça, on n'a pas à se, à se friter les deux gars, quoi. Euh, vous fou, faites un on petit fait. jet de perception, par contre, euh, comme il n'y a pas beaucoup de lumière euh, et tout. Ouais. Euh, si vous arrivez à distinguer dans, dans l'obscurité... l'obscurité, euh, ouais, de succès. Voilà. Euh, clairement, dans la salle, dans la salle où il y a les sièges, il y a deux gars qui sont planqués. Max, non, tu vois pas, t'es pas avec eux, mais. Ouais. Bah, si tu, tu... remarques, on les, a... on, les a... bah, ouais. on les a fait revenir une fois qu'on est arrivé en sécurité dans la pièce. Aujourd'hui, bah, ils ont dû juste passer quand même sur le palier euh, discrètement, donc euh, fait... s'ils doivent passer sur le palier, en fait, pour accéder ah. à cet endroit, euh... c'est un peu le problème, c'est qu'ils doivent passer pour... sur le palier pour pas aller là. Ok, bah, moi, euh, c'est un jeu de discrétion cas, euh... de 1 de difficulté, hein, mais euh, c'est quand même un jeu de discrétion. Ouais, dans ce cas, ça ne sert à rien de, de le faire, en fait, effectivement. Euh, Mieux, euh, bah, après, euh, l'avantage d'être posé là, c'est que je pourrais commencer à mettre en position et pouvoir abattre des mecs si non, ça non. pose problème, quoi. Bah, tu oui, peux non, toi non. essayer de le faire à la limite, hein, si vraiment tu veux essayer de te mettre en position là, ça Ça me semble pas mal de mettre Un peu en position pour ça là, que je me mais... demandais qu'un hein, en difficulté en fait. Hein. Bah, <laughs> discrétion, mais temps, ce de là, quoi. discrétion. Discrétion. C'est un peu l'idée, c'est pour ça qu'ils s'attendent pas du tout à que vous veniez d'en haut, ils ont déjà vérifié, c'était fermé et, et soudé. C'est coordination, discrétion ou sans froid, discrétion, si tu préfères. Non, en coordination, c'est bien. Euh, putain faut que je passe ma discrétion, Lucas. Euh, ok. Bon, bah, c'est bon. Pas de soucis. Nickel. Et je te fais le chat de Guillermo Non, Guillermo, il va rester en arrière. D'accord. Voilà, comme ça, ça débarrasse le PNJ. <laughs> non, c'est pas ça. C'est que Max se met là parce qu'il a son J-Sniper et qu'il se, ouais. se met en position. Guillermo, il n'a pas de raison particulière en plus de venir, en fait. Ouais, donc toi tu en position de sniper dans la salle de projection. Ouais, sachant euh... que Lynn, tu lui as dit où étaient les gars qui étaient euh, où ils étaient plankés, ouais, hein, les deux, où il les planqués et de OK. Euh, moi je suis en train de penser à un truc. Il y en a combien en de... tout euh... bah, Pour l'instant, vous en avez compté 4. La... Deux dans la... Deux dans, deux dans la salle, deux dans l'accueil, deux dans la dans la là où il y a les sièges. Après, il y en a peut-être à l'entrée euh, qu'on n'a pas vu euh... Oui, il y en a peut-être qu'on voit en pas en... dans sous hein. euh... Non, mais à mon avis, Donc, il y en a peut-être encore d'autres dans la pièce. Moi, personnellement, j'essaierais... Est-ce qu'on a... Attends, on est dans la salle de projection. Logiquement, dans la salle de projection, il est potentiellement... pouvoir trouver un panneau de plan ou autre Ou est-ce que dans le couloir, on a trouvé un, plan, un panneau de plan d'évacuation ou autre bah, En fait, je considère que vous voyez comment c'est fait. Hein. C'est-à-dire que euh, la, la grande salle où il y a le cinéma, euh, en fait, t'as juste des les sorties de secours, en fait. Hein. Ouais. Et il y avait juste, okay. en fait, euh, ils avaient installé au-dessus de la salle tout ce qui était bureau, etc., en fait. Mm -hmm. Et dans les bureaux, il n'y a pas moyen d'accéder à, euh, à une autre porte de la pièce, de la non. salle Non, non. Ou, ou de tomber dans les chiottes, ou, ou les couloirs, ou euh, autre Non, non, c'est mais... vraiment, une, une euh, vraiment une salle de cinéma assez, assez simple. Euh, et à moins de faire des trous dans les plafonds, euh, normalement, non. Et il n'y a pas, pas d'échafaudage, d'éclairage euh, euh, dans le plafond. Il a un silencieux ton sniper euh, Bah après le premier tir, plus personne n'entendra rien, hein, crois-moi. <laughs> <laughs> 130 décibels en lieu fermé, euh, moi j'en suis à ma deuxième, deuxième couche de bouchon là tu vois. <laughs> Ça va être un peu compliqué pour enlever la première, mais bon après euh, voilà quoi, je deux jours ah, parce maïs. que s'il avait un silencieux, tu vois, on pourrait plus les deux mecs planqués, parce que s'ils sont morts, on les verra pas, ils sont planqués. Alors voilà. On est parti du principe qu'on qu faisait les silencieux euh, réels, c'est-à-dire que ça a un peu le bruit mais... 160 hein. <laughs> Mais ça suffit pour Oui, mais voilà. Alors, ça baisse <laughs> de 30 décibels sur 140, si je ne me trompe pas. Après, euh, ça, moi, ça, ça, ça vous laisse le voyez. Alors, si, vous, si vous voulez qu'on fasse des, dans le jeu des silencieux de jeux vidéo, euh, moi, je m'en fous. Bon, l'avantage, c'est qu'ils ne sauront pas d'où vient le tir. Ils, ont, ils ont entendront une déflagration énorme ça, hein. au milieu de la pièce, mais ils ne sauront pas d'où vient le tir. <laughs> mais... Bon, on... Faire, Sinon on s'en fiche, on tourne en rond pour rien là. On Parce leur demande final, de, on... De, de dialoguer ou pas bah, En fait le truc, c'est que moi personnellement, euh, là on voit la pièce, la configuration et compagnie. Euh, Je pense que euh, le seul accès actuel qu'on a à part, euh, euh, c'est par la... c'est par le hall principal, c'est ça ouais. C'est l'idée. À moins de faire un trou, euh, un trou et descendre en rappel, euh, ouais. <laughs> et si on lance une ceinture si à la grenade à l'intérieur du bâtiment, ça se passe quoi ah, bah, Ça fait que tu vas avoir mère. une mer en, en... en morceaux. <laughs> voilà, ça. Parce que, alors, Rappelle-moi comment ça se passe au niveau de la scène. Il y a les rideaux qui sont fermés. Ouais, et, et tu la vois mère, pas ce elle... qu'il y a derrière. D'accord, donc la mer, normalement, si elle est là, elle est derrière le... derrière les rideaux. C'est l'idée. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Oui, moi si j'avais bien compris ça. Euh... Et donc, a, coup, a... ah, les voix, les voix que t'as entendues viennent de derrière les rideaux. Donc... Ah d'accord. Donc ça veut dire que les mecs qui sont planqués, ils sont planqués dans les sièges devant le rideau, ou ils sont planqués derrière Ouais c'est ça. Aussi il, y en a, il y en a deux qui sont planqués en fait dans la salle là où tu peux t'asseoir en fait, enfin là où il reste quelques sièges. Genre il y en a un qui doit être assis euh, tranquille et l'autre qui doit, euh, qui doit, euh, qui s'est mis entre des sièges euh, en embuscade quoi. En train d'hésiter, putain. Ouais, il euh, y aurait moyen de donner un assaut. Enfin, fait. tu donnes un assaut sur les deux mecs de devant. Tu les, euh, sans, sans mourir, tu les, tu les neutralises. Tu rentrer dans la pièce, tu prends deux snipers à l'intérieur de, de la salle de projection. Euh, ils tirent. Et puis, euh, même, même, on, même pas. On rentre en discrétion dans la pièce. Euh, autrement, ce qu'on demande, c'est qu'un mec nous amène une caméra thermique. Hein, déjà, rien que pour savoir combien il y a de personnes derrière. Pas contre. Alors, moi, le truc, c'est que je suis trop rentré dans la pièce parce qu'il y a une théorie qui, qui est toute con. C'est que la lumière, une fois que tu ouvres la porte, en fait, tu la lumière de, de, du hall qui va éclairer. Donc, du coup, les mecs, ils vont se demander pourquoi la porte s'ouvre. Logique. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais, euh, mais, mais peut-être qu'il y a un sas. Euh, Selon les cinémas, en général, il y a un sas niveau. Ah de la oui, il y a un sas, oui, c'est vrai, il peut y avoir un sas. Et euh, par contre, il faut, faut l'ouvrir ultra discrètement. quoi. Et euh... voilà, les... Moi, je serais quand même plus pour tenter la négociation et on se garde une, une situation de sécurité avec potentiellement des snipers ici alors qu'ils ne s'attendront pas à l'avoir. En fait. Ouais, mais après, que... on sait. Attends, on. Euh... On, on va pas connaître leur réaction au fait que bonjour Cops, on voudrait négocier. Euh... Ça se trouve ils ouais. vont paniquer, ils vont tuer la merde. Ouais, Peut-être. Ouais, Mais, a... on... Mais on applique les procédures que nous, demand... que nous ont demandé les politiques. Et donc du euh, coup, moi euh, un sujet d'éducation. Euh... Ta non, ta non, merde de toute façon, non, non, même pas. Il euh, y, y, y a un truc, c'est que de toute façon, a priori, ils ont toujours pas contacté ni le cops ni la mairie euh, pour faire des négociations hein, actuellement. C'est ça. Ils ont peut-être pas oui. envie de négocier du tout. C'est ça. Oui, ils... mais si on leur met devant le fait accompli, peut-être que peut-être qu'ils essaieront. Bon, après, ils se doutent bien qu'on va les, on va les buter, mais. Euh... Alors, il faut savoir il une chose, il faut voir aussi le profil psychologique de, du gang. C'est que wow. déjà, se balader avec des lames de rasoir sur la ceinture, c'est mauvais signe. Voilà. De base, bah, c'est peut-être le gang que... des un... quand même, je trouve. Hein. Non, non, non. <laughs> non, mais ils, ils optent C'est peut-être le gang des barbiers, hein, tu sais pas. Voilà, c'est le gang des barbiers. Mais euh, en, en gros, c'est... Ça montre plus de la violence que, euh, que de vouloir discuter. Ensuite, ah, on a... sait aussi qu'ils se droguent, qu se droguent de, euh, de stimulants et compagnie euh, pour augmenter la... C'est des drogues de guerre. Hein, donc. Pour euh, vous remarquez Mais... aussi un autre truc. Un autre truc, euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, ils ont tous, euh, tous ceux que vous avez pu repérer là dans le cinéma, ils ont tous à la ceinture un masque à gaz. Ah oui, ces petits détails inutiles à nous dire. <laughs> ouais, ça veut dire, ça veut dire que les lacrymos et les panis fonctionneront pas sur eux. Ok. Euh, sinon, à mon avis, il n'y peut... a pas de sous-sol, on connaît comme ça, fichier. Non. non euh, tu sais, la, la config, euh, clairement, vu comment c'est décrit, euh, peux... je vais faire une référence, mais clairement, ça ressemble vachement à la, à la salle du Bataclan. Hein. D'accord, ok. <laughs> ouais, c'est moche, quoi. Il n'y a que les sorties de secours qui sont un accès direct à la scène, c'est ça euh, Non, elles ont un accès direct au public la sortie de secours, pas à la scène. Au quoi au public, là où euh, il y a les ouais. deux... Ah bah oui... Mais euh... okay. Okay, pas okay, traverser okay, la scène en fait, hein, si t'as besoin Et de... la, de la, la genre scène, c'est pas un truc super grand, on est d'accord Bah euh, est, en gros, si tu veux, c'est un, enfin, un fond, cinéma quoi. qui avant a dû, dû être un théâtre en fait... Euh... Ouais. Donc euh, si, il y avait quand même une petite scène derrière le rideau, tu, tu supposes. Poten hein. Potentiellement, il y a des loges. Non. Pas Vu la taille, non, il n'y aura pas de loge, quand même. Il faut pas déconner. Il n'y a pas de porte qui pourrait donner derrière l'écran, en fait. Non, a priori, pour aller derrière l'écran, faut juste aller de l'autre côté du rideau, quoi. Enfin, il faut faire le tour par là. La... C'est toujours par la scène, enfin par le... Tu, tu passes toujours là où il y a dans la grande salle en fait pour aller, euh, que ça soit derrière ouais, l'écran si ou pas. On, si on se sur les gars, on est mal. Je contacte le mec du, du SWAT, qu'est-ce qu'il en pense euh, Le truc c'est que, euh, bon, normalement, si vous êtes sûr qu'il y normalement on devrait essayer de négocier. Maintenant, euh, si vous préférez qu'on euh, qu avance dessus, on avance dessus. Maintenant, ce qui est compliqué en fait pour lui, c'est qu'on voit pas les otages. Oui, oui. Tout est la, euh... oh, oui mais on ne sait pas en combien il y a. Enfin pour lui la, la problématique c'est qu'on sait pas combien ils sont derrière ce rideau et surtout on n'est pas veux dire à partir du moment où on donne l'assaut euh, qu'est-ce qui qu'est-ce nous dit qu'ils vont pas abattre les otages derrière le rideau sans qu'on ait de euh... et, du coup la caméra thermique est pas con parce qu'on peut peut-être buter les autres les les, euh, les, les preneurs d'otages derrière le rideau euh, par un tir de sniper. À ce moment-là, on rentre euh, par les ports de secours, on neutralise les deux mecs qui sont euh, planqués dans la salle. Voilà. Bah écoute, caméra thermique, ce que tu voyais, euh, c'est simple. Euh, derrière le rideau, il y a. 5 a... je... a... adultes et un enfant. Euh, sont y... ouais, aussi... cinq... euh, ils sont tous debout. Ils sont tous debout. Et euh... en gros, il y, euh... y a. comment s'appelle 4 adultes qui sont avec un enfant au même endroit et un adulte qui est, qui est tout seul. Euh... Enfin. Se, qui, qui, qui fait entre guillemets les 100 pas. Ok, bon. Ouais. Euh... C'est le chef, celui qui fait les 100 pas. Ouais. On peut peut-être faire le... la, tanti... la tactique de négociation. On bute le chef, on voit ce que moi, ce qu'il se passe <laughs> vous avez appris à négocier. Où ce qu'il a appris à négocier C'est ça. Bah, je ne euh, me rappelle plus c'est quoi la race en question, mais je pense pas qu'il fasse partie de la race. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que ouais. ce soit des Bangalores. Euh... Euh, non, ce qu'il faut, c'est y aller discrètement, clairement. Il n'y a, a que ça de possible. Le truc, c'est que pour choper les deux gars qui sont dans le hall, il faut leur sauter dessus. Depuis le oui Depuis... <laughs> mais clairement en, en gros je leur, je leur saute dessus depuis le premier étage <laughs> plaquage c'est pas ultra discret c'est pas ultra discret Blam ah, euh... oui pas... mais une... Attends, oui mais une salle une salle de cinéma est bien insonorisée alors autrement je proposais une autre solution c'est euh, tu vas chercher un ballon de foot tu lances à travers la salle tu leur sautes dessus et quand ils te disent mais qu'est-ce que tu fous là tu réponds bah c'était pas ici le rassemblement des 10 ans du lycée machin <laughs> Je donne une petite alertie ah, à, 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 à Max pour lui dire Bien, bien, pardon, oh, je préfère sauter sur les mecs. <laughs> non, moi je serais plus pour que des mecs du SWAT tombent en rappel sur leur tronche. Tu serais plus pour quoi on peut... Pour que je les mecs le du faire... SWAT leur tombent on... sur la tronche en rappel. Ah oui, en gros, le... qui, qui passent par là où vous êtes et qu'ils arrivent par au-dessus en fait. Ouais, on, on... sincèrement, je peux le faire avec, avec, un gars du... un... avec un gars du SWAT. Ouais, un ou deux gars du SWAT, pour être sûr d'accord bah écoute, euh, pourquoi et ensuite, pas euh, va, les et mecs ensuite, qui on se redéploient il ya en gros il y, a, y a trois gars du SWAT qui viennent en haut euh, et les trois autres qui restent à la porte euh, et euh, bah ils préparent en fait le matériel discrètement ils ont des arbalètes euh... non, ils pas des arbalètes <rire> <rire> euh... ça fait moins de bruit les hein. euh... ah oui complètement c'est sûr tu fais pas de bruit <laughs> hein. le bruit c'est quand le mec il se prend le coup d'arbalète s'il est pas mort il va gueuler mais oui. euh... <laughs> Mais faut viser la tracher, c'est pour ça. Ouais, euh, ça fera quand même du bruit. Hein. <laughs> mais bon. Euh, les mecs, ok, ils vont essayer, mais euh, clairement. Euh, 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 c'est euh, euh, plus. Pl en fait, s'ils descendent comme ça pour pas qu'ils fassent de bruit, les mecs, ils sont plus à vouloir prendre leur couteau que leur mach qu leur matraque. Hein. Ah mais c'est le but C'est le but. Bah, bah, c'est soit hein. ils ont leur propre méthode d'intervention, on les laisse responsables de leurs actes. Ouais, sauf que en fait c'est vous qui dirigez l'opération. Mais il le fait à la mission impossible toi, il calcule la longueur du câble, il saute, et après il en même temps il fait une rotation et claque il coupe les, <laughs> les... les deux gigulaires, voilà, on est. Non simple. <laughs> et, et à, la... à un dernier moment il fait une rotation et il écrase son casque du SWAT contre la nuque du mec. pense tous les cas, ils plus, hein. vont essayer. Ils vont essayer. Hein. Euh, J'ai ça compris. <laughs> il vous demande d'être en couverture. Ouais. Oui, oui. oui. Pas de problème. Bah, de toute façon, et dès qu'ils vont... Dès qu'ils vont sauter, euh, ils vont euh... ok, pas de soucis. J'ai fait un jet de trop. Euh, ouais, pas de soucis. Ils tombent dessus, euh, il euh, les explose... Bon ça fait du bruit quand même. Hein. Euh, ils, oh, en, ouais. ils tombent à euh, genoux sur leur sur leur tête, <coughs> en gros, euh, et ils les mettent au sol, euh, il est. Euh, Mais nous on euh... le porte. Enfin, à la porte qui est dégagée. Les empêche de parler, euh... ouais, okay. Les mecs sont arrêtés, menottés euh... en quelques et secondes. Mmh. Non, pas évacués, pour l'instant. Ouais, ils restent Alors, ils sont les... jeux... ouais. déjà. Ils font juste déjà. Ils les arrêtent, ils leur tirent leurs armes et ils les empêchent de bouger et parler. Ouais, <coughs> on vérifie qu'ils ont pas d'explosifs ou autre. Sur non, pas d'explosifs. Par contre, ils ont des, euh... ils vous montrent. A priori, euh... ils ont des, des, des espèces de gélules euh, bizarres. Ouais, ça, c'est ouais. les trucs qu'on savait que ces drogues avec ça, ah oui. pour euh, ouais, mais leur capacité en physique. général, les gélules s'arrêtent de marcher quand on enlève le cerveau de la personne. C'est pas faux. Euh, dans tous les cas, ouais, eux, ils, ils veulent ouvrir la, 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 la porte pour faire rentrer leurs collègues. Hein. Oui, oui, oui. oui. Alors on vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piège ni de. Ouais, bah, ou il mais non, elle n'est pas, comme... pas piégée. Et euh, ils font rentrer les trois autres gars du, du SWAT. Donc vous êtes, à, vous êtes euh, tous les quatre. Enfin, peut-être Max est, est parti dans le. Ouais, ouais moi je vais le mettre. Je, je, euh, je vais le projeter, moi. Avoir, il peut y avoir deux snipers dans la de projection, moi. Hein. Ouais, je pense que c'est ouais, pas. il bah, y a un gars du SWAT qui y va aussi, mais il y a la place que pour mettre un seul fusil. Hein. Ah. Ouais, par contre, je pique. Je pique, euh, je pique le, le masque à gaz d'un des deux camés, euh, enfin, des deux, deux sommets. Euh, tu regardes le masque à gaz, euh, il a l'air bien, bien pérave. Et surtout, euh, il a l'air bien pourri. Enfin, il a. Euh, <coughs> T'es pas sûr de vouloir le mettre. Hein. Ah. Clairement, tu... tu sais pas si tu vas choper une maladie à, à, rien qu'à mettre ce truc-là. C'est étrange comme idée de mettre un masque à gaz pour choper une maladie. Bah, si c'est la leur. Euh... Bah c'est suis... surtout que le, la cartouche, euh, elle a pas l'air très standard en fait. Hein. Ouais, c'est un truc. Un truc pour aspirer la faire... drogue en fait. Ça peut-être nous faire avancer dans la quête sur les ongles. <coughs> Euh... <laughs> du coup, la question c'est il euh, y, y, y a bien deux portes, euh, et il ouais. y en a une qui est boucle, bouclée, enfin y a des grappes dessus. Ouais, c'est double porte, euh... c'est double porte qui s'ouvre juste en poussant, avec ouais. un petit hublot. Et, et dans le hublot, on peut voir que do... c'est bien un sas ou, ou ça donne directement Ouais, c'est un sas qui donne ça. sur une autre qui est un peu décalée. Ok, bah du coup, on va rentrer doucement dans la première, on va s'attendre que ça se ferme bien, on va attendre ouais. que le bruit. Euh... Ah ouais, bah. Euh, et, et après on, on va rentrer dans la deuxième et puis voilà. Et puis euh, je pars sur celui de droite, Lynn passe sur celui de gauche. Non non, ouais, bah non parce alors... qu'elle est fermée. C'est hein, y qui, qui, qui est fermé avec les... Non mais euh, de la même porte on, on, ah, oui, on de la rentre même porte, par la okay. même porte mais après on bifurque. Mais euh, c'est pas moi qui vais y aller au combat. Euh, oui, moi, non, je, mais... moi, je, moi je sais pas me battre à main nue, enfin je suis, je suis une merde quoi, donc euh, c'est plutôt un mec du SWAT qui vaut mieux qu'il y aille. Après, j'accompagne ouais, okay. pour. Pour, pour, oh, pour, euh, ouais, pour, pour, pour lui pour vous couvrir et tout, mais le but étant d'essayer de les neutraliser euh, le plus discrètement possible, quoi. Et, et d'arriver ouais. euh, avec les mecs derrière le rideau, et là, euh, on arrive avec 500 personnes, et puis on. on... Quoi. Ok, vous me faites euh, tous les deux vos jets de discrétion. La difficulté va passer sur la perception des autres. Ouais. Enfin, moi, je suis en retrait, hein. Ouais, mais sachant qu'on est dans le noir. Ouais, mais vous me faites quand même euh, le jet, hein. Oh, merde. Ah, merde euh, ouais. Personne n'a un point d'ancienneté. Bah, non. si j'étais le responsable de l'enquête, je pourrais te donner un point d'ancienneté, mais... Ouais, c'est pareil. <laughs> c est, c est, c est pas bien grave, hein. Si c'était pas toi, ça aurait été un gars du soir. Ah bon Ouais. que ça se euh... les de les... Les C'est euh, les jets de perception. Euh, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, en fait... Euh, vous commencez en fait à pousser la, la porte à double bâton pour rentrer euh, discrètement les, ouais. ma, euh, bah, tu pousses toi ta, la porte à double battant et en fait tu, elle s'écroule, elle tombe Donc ça fait BOOM Eh merde Elle était juste posée en fait euh... et, Mais moi je suis passé discrètement quand même hein, je... Bah toi tu t'es pas fait gauler mais euh, ça reste que tout le monde s'est fait un peu gauler quand même hein, <laughs> Vu que les mecs ils se retournent et font c'est quoi ça Ok euh, Mettez vous dans le tableau d'Init s'il vous plaît C'est le chat Miaou <laughs> c ça, c ça. <laughs> Et du coup on peut pas dire euh... Ornithorac Mettez vous dans le tableau d'Init Déjà Bon attends deux petites secondes hum, Réfléchissons 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 Et alors hop je les ai mis donc je vais placer Alors attends allez. Est-ce que je peux mettre en agressif ou en ultra violent C'est pas trop logique, normalement, ultra violent c'est que tu bouges. Bah, enfin, c'est surtout que tu tires tout le monde en fait. Hein. Hey, ouais. C'est pas, pas forcément stupide, hein. du coup ça détourne l'attention, tu vois. Plus un en action physique, moins un en action. Ouais, ouais, mais moi moi, je serais limite tenté, euh, je cavale ma et puis euh, je saute sur la scène et euh, je passe le rio. En glissant Alors, en, dans le cas, euh... Alors attends, En ce cas-là, si je te vois. Est-ce que je peux prédire ce... son. Ça... Ou sinon, tu me jettes Déjà... dans le dos et tu me dis, suis-moi quoi. Ah, mais s'ils si commencent à faire ça, vous jouez au même tour. C'est-à-dire que tu peux faire la même action hein, en soi. Je ne gêne pas, mais. Euh... On va faire dans l'ordre. Ceux qui sont dans la salle, c'est gang 1 et gang 2 qui sont en posé euh, agressif. D'accord. Mais le rideau, il n'est pas géré depuis la salle de projection non. Euh, Dis-toi que euh, même s'il était géré depuis la salle de projection, il n'y a plus d'électricité ici. Hein. Ah mais tout le monde sait que les rideaux ça marche au pétrole. <laughs> <laughs> C'est mal. Bon, euh, bah on va commencer par euh, Lynn, puis après on fera Max et Denis. Enfin quoi que Lin et Denis font peut-être la même chose. Euh, ben moi j'attends de savoir lequel est le plus menaçant pour tirer de toute façon donc. Euh... Ah ben bah, clairement euh, moi je, je si, si je vois que qu'on a été euh, qu'on a été repéré ah oui euh, j'ai mes protections j'ai mon machin bah en fait je trace tout droit et j'essaye de, de faire un plongeon euh, euh, au niveau du qu'on appelle ça bah, du rideau et hein essayer d'en buter un euh, euh, et de gueuler euh, comme ce machin quoi ouais, ouais bah, ah le, euh, derrière le, le rideau le... tu parles ouais le but est de... ah. ce tour-ci j'essaie de cavaler et de passer le rideau et, euh, et après, le tour d'après, euh, bah, j'essaie de les avoir un, un par surprise okay. et pouvoir peut-être intimider. quoi. Et Denis, euh, voilà. tu vas faire la même, c'est ça Je vais faire la même, mais sauf que moi, je vais faire un plaquage euh, là où on a déterminé où était, euh, ouais, était okay. l'enfant. Sur l'enfant, tu vas faire un plaquage, c'est ça Ouais, je vais tuer le petit gars. Ok. Euh, vous me faites tous les deux de suite un jet carure athlétisme. La difficulté est de 3, euh, parce qu'en en fait bah, vous êtes dans le noir, euh, qu'il y a des obstacles sur la route et que euh, bah, va falloir pas se péter la gueule quoi. Carure athlétisme, ah ouais. Au ah, bah, réflexe oui. athlétisme, ça me va aussi. Hein. C'est pareil. Je fais un succès. Ouais. Bah tu, tu vas trébucher euh, et t'arriveras euh, pas sur euh, le point tour. Non mais ouais, bah, c'est sûr, mais. Euh... Et euh, du coup, Denis, je t'aurais pas laissé là, enfin, j'aurais pas voulu que tu fasses ça, hein, parce que... Du coup, toi, tu peux neutraliser les mecs qui sont dans la pièce, en fait. Ouais, parce que nous, on sert à rien, nous. Euh... Max Ouais. Moi, je oui. sert à rien dans cette pièce, en fait. C Mon arme, il ouais, vaut mieux que je... J'ai entendu Ornithorynque. Que tu fais, Max oui, Ornithorynque, 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 ok. Euh... Donc, dans la salle, il y en a deux en bas qui sont planqués dans les... Dans le... dans, un, dans, un, dans, dans le, dans le 1 et 2. Ok. Euh, les autres gangers, donc il y en a deux qui font dodo Ou qui sont morts, je sais pas J'arrive pas à savoir Et euh, autrement oui, tout mais... le reste c'est derrière le rideau Oui, On tu qui... tires sur quoi euh, Un des deux qui sont planqués Celui qui est okay. le moins visible par, euh, par là où ils arrivent en fait D'accord Tu mets ton jet, la difficulté est de 2 Elle devrait être de 3, mais comme ils ont moins 1 Par rapport à leur attitude, donc c'est que 2 Ouais C'est cool Pendant les dents alors, coordination. Sachant que j'ai dit en donc les mecs vont arriver par les portes de sécurité, aussi. Ah ouais, ouais, bah au prochain tour, les portes elles vont sauter en fait ce tour-ci. Euh, après vous, quoi. Deux succès. ce qu'il fallait. Ok. Torse. Vas-y, euh, dégâts. Ils ont pas oh, de pare-balles, vas-y. Ils ont pas de pare-balles, ok. Euh. C'est que... simple, hein. Pas... Alors, Alors ce tour-ci, ce, tour ce qu'ils vont faire, c'est prendre leur drogue. C'est prendre 6 leur 6 drogue. De dégâts Oh, bon, il peut m'enfler cette d 6 C'est à dire okay. que leur drogue elle va leur donner euh, je sais pas combien de points de vie. Euh... Non, il y en a qu'un qui prend de la drogue. Non, mais <laughs> enfin, arrête de couper les gens, c'est excessivement énervant quand tu fais. Donc, euh, bah, tu, tu en fait le truc c'est qu'ils vont avoir des stats en plus pendant un, stat, un temps, oh, des oui. caracs en plus pendant un temps limite. Je me doute, mais euh, il, va, il va pas être seul hein, parce que les mecs derrière leur îlot ils vont faire pareil, je pense. Hein, mais... ouais. ouais, alors euh, hop. Voilà, oh hey, je, je, je me suis pas cassé la gueule, je me suis trompé d'aller. <laughs> <laughs> euh, je vois qu'ils ont de la vie, est-ce qu'on peut descendre leur barre de vie ou. Euh... Euh, oui, halt euh, et molette. Ok. Mais euh, ça, ça, ça marchera Enfin, ça marchera que pour toi parce qu'en fait j'ai pas mis la communication réseau donc nous on le verra pas. Ouais, donc ça sert à rien, le, je, voilà. mis en, je les ai mis mais, en gris, Mais, pour, mais toi, en si. pour, toi, pour toi si, parce que tu peux, tu peux, ça te donner déjà une idée. Nous, nous pas, on le voit temps. pas mais. Euh... Après, ah. euh, j'ai testé ça vite fait, mais si, si, si bon, ça... en fait, moi ça fait bouger. Euh... Quand je tourne, quand je fais alt et tourner molette, ça fait bouger en fait euh, le euh, d'autres trucs en fait, pas ça. Ah, bah après, c'est peut-être sur Windows, fait... mais moi mais ça marche bien, hein. j'ai pas de soucis. Hein. Ça fait bouger en fait l'écran en fait, euh, il bouge de gauche à droite, et euh... bah, <laughs> en fait, tu, tu l'as pas affiché euh... en fait, il ah, si, si, bon, suffisamment bon. large en fait, il faut ah, que bon, bon, euh... Suffisamment large et après ça marche. Ah, si c'est bon, ça marche. Ok. De toute façon, euh, si vous voyez pas, c'est pour l'instant pas la peine que je m'embête. Mais ouais, ça marche. Ok. Non mais pour toi, ça peut être bien. Hein, pour. Euh, ouais. Ouais, mais je l'ai mis en gris déjà, donc. Euh... Oui, oui. Ok. Donc euh, le gang 1, il est cané. Euh, le SWAT, euh, donc euh, ganger 6. Bon bah, il prend sa drogue. Euh, ok. Du coup, ganger tu peux 2... mettre à un, à un état où il a un cercle rouge en fait, sur le, pour ceux qui sont drogués. Mm -hmm. En toute façon, ça va être ceux qui sont en vie encore au prochain tour, en fait. <laughs> je veux dire... Euh, le swat oui, mais, euh... mais, mais, mais euh, l'idée c'est que, que si tu les fais en rouge, ça leur donne un aspect plus terrifiant pour nous, en fait. C'est là, c'est là... <laughs> où... Non, non mais c'est vrai, je veux dire, c'est con, mais, euh, mais du coup, ça nous, ça nous fait réagir, tu vois. Bon, pour moi, il est vert, mais ok. Je voilà, cherche, je regardais... Ouais, ouais. <laughs> tu vois d'un coup, voilà. ça, ça te pose un ganger, tu vois d'être rouge voilà. déjà là tu... Moi, tout ce que je sais, c'est que les points rouges, c'est l'Empire. Euh, voilà. bon, bah, je ne vais pas leur faire les dégâts, mais euh, le, le Gongers Girl 2 qui est dans la salle, euh, les gars du SWAT, euh, comment dire ils, en ils, une ont coup, oui. oh, ouais, ils ont font une passoire. Oh oui, ils ont font une passoire. Ok, euh, la, porte, euh, comment euh, une, la, la porte de sécurité ouais. qui donne dans la salle euh, explose, ce qui fait rentrer de la lumière aussi dans la salle. Donc on y voit un peu plus clair aussi, grâce enfin, à ça. ça. Euh, par contre, ce qui se passe sur la scène, euh, sur ce tour-ci, ouais. Je suis euh, alors. Non, c'était en train d'y courir. D'accord. Euh, vous entendez en fait euh, un des preneurs de derrière le rideau qui hurle, qui fait euh, qui dit un truc genre culé de pourri, vous l'aurez voulu je vais le buter le petit pédé <laughs> Et euh, vous entendez euh, bah, Lane, euh, comment s'appelle donc euh, la, la mairesse qui dit non pas le gosse Et vous entendez euh, un coup de feu puis un cri de terreur. Et merde, je crois qu'on a échoué. Ok, votre tour, euh... Denis. Sain qui est arrivé au niveau du rideau? Tu fais quoi? Moi, je voulais négocier. Hein. Je... Voilà, hein, je viens de le dire. Hein. Réfléchis, euh... non, t'as pas le temps de réfléchir. Non, mais oui, oui, donc bah. Euh... S'ils ont pas trop bougé, euh, j'essaie de déterminer un peu euh, où ils sont et je chope euh, la tu première rentres, personne. Quoi, tu ouvres le rideau et tu te mets en position par rapport à là où il devrait être. quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ouvre je, 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 le rideau et je chope le, la première personne que j'ai sous la main. Quoi. Alors, tu ouvres le rideau ou tu arraches le rideau avec ta force Tu arracher le rideau avec la force euh, Oui, as bah... les tu as carrures, 5 tu pantais. C'est un vieux rideau. Ouais, vas ouais tu je vais peux faire essayer faire ça. parce que derrière, ça nous donne un axe de tir pour nous. Hein. Et pour le sniper ça, vais, et tout je, ça, quoi. Je vais faire ça. Ok, la difficulté est de 4 ans pour le, le jet de force. Ok, je vais, bon, je vais mettre mon dernier dé d'adrénaline. De, que je gardais pour cette action, je pense. Hein. Voilà. Et merde. Ok. C'est moche. Tu arrives On au niveau 4, du rideau, tu, tu chopes le rideau et tu commences à monter sur le rideau. Il est bien fixé finalement. <laughs> Dommage. J'ai 4-5, quoi. Quoi. sérieux. quoi. <laughs> Mais ça arrache <laughs> pas peu, même pas. Oh, euh, non, bah non non non. Bah au tour d'après hein. Mais 4, OK, 5, euh Max. Ça... Ouais, à la limite. Ouais. À, la limite ouais. à la limite, écarte les jambes, tu, tu laisseras un axe de tir. ouvre le rideau. fais quoi Max bah, est-ce que moi je vois quelque chose que, que je puisse faire en fait Parce que pour moi, ça se passe derrière le rideau. Non, et par contre, t'as le gars du soit... SWAT qui est à côté de toi avec la caméra thermique qui dit à peu près où tirer. Euh, il te dit en fait que le, le gars qui a tiré, il te dit c'est lequel. Euh, il te monte sur la caméra. Il te dit tu peux essayer de tirer vers lui, au moins pour le faire bouger ou pour le faire atterrir. Mais c'est toi qui prends la décision. Ok. Je prends notre... Un tir à l'aveugle, c'est euh, tu passes de, sur 5 en difficulté le tir. 0 plus... tu tires sur les otages. Hein. C'est un peu tendu c'est quand même. Bah zéro c'est compliqué quand même hein, faire un zéro euh... Lance pas des défis à ton système de dés toi. <laughs> ah, c'est pas mon système de dé que je lance des défis c'est ton karma mais euh... C'est pire. <laughs> ok, quoi euh... ouais non je tire dans la direction du bonheur. <laughs> voilà, c'est raté. T'as <laughs> raté, mais t'as touché personne. T'aurais pu faire un tour de couverture, ça aurait été rigolo. Euh, pas avec son euh, arme, je crois pas qu'elle a Le per... sniper, per... Euh, je pense. Non, c'est du. C'est euh... sniper culasse, c'est coup par coup. Et alors ah, Un euh, tir de, de couverture, c'est-à-dire qu'il tire une balle en fait. En fait. <laughs> bah oui <rire> <rire> Ça revient au même en fait que tirer quoi. Mais si j'ai tiré sur un rideau, tu euh, okay. peux appeler ça un tir de couverture. Ouais, et eh ben je continue de cavaler. Pour essayer bon, de pas ouais. passer. Et pour essayer de passer le. 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 le, le, le rideau. Ok, euh, sur ce tour-ci, tu vas jusqu'au rideau. Ouais. Ok. Évidemment, j'ai mon arme en main, hein. maintenant. Euh... Les gars du SWAT euh, bah, t'emboîtent le pas. Hein. Ils sont derrière toi, il y a un peu plus de lumière. Ils, ils foncent aussi vers le rideau. Les gars du COPS font la même. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe bah, Le rideau, il y a, quel a quelqu'un qui quitte le rideau. Euh, a priori, c'est bah, un des preneurs d'otages, Ganger euh, 3, euh, qui regarde en fait ce qui se passe. Quoi. Il va regarder euh, pour euh, arme à la main. Euh. Euh... oui euh, je, 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 vu que vous le voyez tous je vous avais le droit à un, à un tir d'opportunité hein, pour le coup euh, à l'exception de Allez. Max qui a déjà tiré Alors, la je... difficulté est de, est de 4 pardon. Je... Oui moi c'est pas un tir d'opportunité c'est un tonfa d'opportunité je le touche Alors, Mais vu tu que feras le tonfa de de fa après façon... les tirs tu feras le tonfa après les tirs parce que Mais tu vas façon, pas aussi vous... vite qu'une balle <laughs> voilà c'est ça je vais pas aussi vite qu'une balle et de toute façon Lin euh... tira... uh, shoot first voilà Bon bah shoot first. Hein. Voilà. Ok bon bah il est séché. Hein. Bah oui. il euh, y, y a pas que toi hein. le soit aussi. Hein. Euh, <laughs> euh, y, par contre ils y vont euh, balle, une seule balle chacun parce que bah on voit pas ce qu'il y a derrière et ils ont pas spécialement envie de toucher les otages. Oui bah oui. Non mais moi okay. mes balles elles sont particulières et tout. Euh... Non non, t'aurais fait zéro, ça aurait touché aussi un otage. Hein. Ouais, mais non. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'elle reste dans la tête des gens, en fait. Tu vois. Euh, okay. Même Tours si elle suivant. rentre par le pied, elle remonte quand même, tu vois. Elle essaye. Pour suivant, The Denis. Tu de magique à ce niveau-là. Oui. Tu peux refaire ton jet si tu veux, la difficulté sera que de deux. En gros, j'ai retiré les deux que t'as déjà donné dedans. Ouais. Okay. Et hey, hey, regarde, je vais faire qu'un. T'as envie d'arracher le rideau. Ok. T'arraches voilà, le je... rideau qui tombe. Vous avez une belle vision sur la scène, à savoir euh, bah, Christine Lenn allongée au sol dans une mare de sang, euh, la journaliste qui est au-dessus et qui, euh, qui hurle, le gamin qui est à côté qui a l'air traumatisé, et deux gangers euh, bah, qui voient le rideau tomber et qui prennent pointe les armes vers les cops. Euh... Donc Denis, euh... c'est fait. Max Légitime offense, je bute un des gangers. <laughs> légitime offense, je bute un des gangers. Il y une ambulance <laughs> euh... tu, ça dépend tu tirais sur 6 ou sur 4 Ben tu as dit bah, qu'il y avait deux gambas qui menaçaient lance un des deux lance un des deux si tu fais 1 ça sera 4 et si tu fais 2 ça sera 6 2 c'est 6 6 il n'a pas de difficulté donc diff... c'est bon ça passe c'est 4 de difficulté pour l'autre ah. ok t'es chez euh... ouais euh... il y a moyen Le pas de dire t'es chez bah je les secours mais je, je vais buter le dernier avant après je sais pas. Mais voilà. Bah déjà tu vas tirer peut-être <laughs> oui, oui oui, voilà, si succès. Voilà. Ok. Euh, lock. Lock, il faut que je le retrouve le jet de Locke. Ah il est plus. force. Je, je peux pas le remonter un petit peu mon site là Enfin. Bah d'un point, euh, <laughs> ou de deux, mais pas plus, je crois. De deux, oui. Ah, du coup ça m'aide pas beaucoup. Tu voulais 29, le garder. Non, non, mais non, plus deux, tu veux garder que dans plus 2, qui est plus intéressant déjà. Ouais, bah ouais. Euh, du coup, 4. Euh, euh, il a pas de protection, donc 6 des 6. Non, non, il a, il, si, si, il, a, il a un collier en lame de rasoir, mais bon. Euh... 25. Bam. Ouais. Bah, entre vous, euh, le SWAT et les autres psaussis qui tirent, autant dire que les gars, euh, bon, vous en mettez vous dans le buffet, mais ils s'en prennent aussi un peu de tout le monde, hein. Bah oui, c'était le but. Pas moi. Et <laughs> et du coup... Euh, ouais mais mère, toi t'as euh... un peu ouvert le, le stand de tir en fait. Oh, hein. tout <laughs> <de suite. rire> bon sinon moi du coup je suis près de Lane et j'essaie de lui porter les premiers secours. Elle est dans les VAP. Okay. J'appelle les secours. Hein. Je pense qu'on a a ouais, vu le coup. Euh, qui... ah ouais. pas très loin mais voilà. Je lui porte quand même les premiers la secours. La journaliste est en larmes à côté, le garçon est tétanisé. Euh... Faites les jets de premier secours hein, pour ceux qui se lancent dessus. Lynn emmène le, le gamin. Non. Jets de voilà. premier secours aussi. Bon. Ok. Euh, tu la tiens non, en vie. Va. Tu restes à la tenir en vie, à compresser, etc. Euh, clairement. Il euh, faut vite qu'une ambulance arrive Parce que sinon elle va y passer la, la mer. Ok hein. vous, ram vous ramenez tout de suite Non mais c'est bon c'est ouais, déjà fait Il n'y a pas une ambulance mais... qu'il nous faut euh, Comment ça s'appelle là ils sont déjà volants en fait ah Oui bon. bah en gros Un vitrol ça. Un vitrol euh, Un, un vitrol vit <laughs> vit putain j'ai mal Un <laughs> médévac. <des> <laughs> <laughs> Dans tous les cas ouais Ils vont venir en urgence bah, entre la mère Et son état Elle est de quel groupe sanguin J'avoue, j'en sais foutrement rien. Ouais, parce qu'on peut peut-être euh, organiser une petite, euh, un petit don, tu vois. Bah, de toute façon, elle, elle a perdu du sang, mais euh, vu qu'il il y a Denise qui a fait un pain de bon jet, Il arrive à faire là. en sorte qu'il lui en reste assez, quand même. J'ai hein. ouais, euh, 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 arraché une partie de, mon, de ma, ma veste ou de mon t-shirt <laughs> ou autre, <et> puis, pouf, <laughs> voilà. Dans tous les cas... Euh, vous restez bon. encore là, euh, 30-40 minutes euh, entre euh, tout, ce qui, tout ce, qui va, ce qui va se passer, euh, la, la mère qui se fait évacuer en urgence et qui va être euh, hospitalisée. Euh, dans tous les cas, euh, bon, bah, vous êtes à fois félicité et pas félicité. Disons que le témoignage de la journaliste fait que bah, euh, c'est la mère qui s'est un peu jetée sous les balles quoi, pour protéger le gamin quoi. Et bon, on vous dit que ça aurait été mieux quand même que ne prenne pas une balle. Ouais, mais vous, vous dites Mais d'un comment... autre côté, euh, les gens... D'un autre côté, bon, euh, votre chef, il vous dit, au hein, bon, vu de la configuration que vous avez, c'était bah, difficile, quand même. C'était difficile. Bah, bah oui. Vous avez fait au ben... mieux. Non, mais on lui dit à la journaliste, on lui a dit, euh, vous inquiétez pas, les autorités de la ville, euh, à toutes les échelles, sont prêtes à protéger tous les sites. Dans tous les cas, euh, voilà. euh, c'est sur ce sauvetage du maire, euh, malgré euh, une balle dans le buffet, la pauvre, que s'arrête euh, pour aujourd'hui la... la, la... Euh, la contre... séance. Euh... Par contre, la semaine prochaine, on... je pense qu'on posera 2-3 questions quand même. Surtout ouais, la journaliste, bah... elle sera plus accessible que la mère. La mère, elle fermera sa gueule et elle fera de toute façon. Je suis ah bah, mère, de toute façon, la mère, elle quoi est quoi dans quoi. le coma. Hein. Ouais, oui, ah, bah, est... la mère, elle va être en mauvais état. Bon, du coup, euh, je lance le générique de fin. Donc, au revoir ouais. les gens, tout ça, tout ça. Au revoir euh... les oui. gens, abonnez-vous. Au revoir, adieu, tout ça.